Bonjour à tous et à toutes, vous ici présents dans la salle, et puis tous ceux et celles qui nous suivent en vidéo. Voilà, donc je suis heureux en votre nom d'accueillir Mustapha, qui est un membre de la communauté du Chemin Neuf, donc présente dans notre diocèse au Dombes, hein, notre âme de Dombes. Voilà, il est ordonné prêtre il y a combien de temps ? 4 mois. 4 mois, voilà, c'est tout neuf. Voilà, et donc, actuellement, il poursuit des études de théologie à l'Institut catholique de Lyon et à Notre-Dame des Dombes. Et il a accepté de nous consacrer du temps ce soir, donc arrivant directement de l'Institut catholique. Il n'a pas perdu de temps. Alors, j'ai invité Mustapha parmi nous parce que, donc, ses origines, ses racines, c'est l'Algérie. Et si je me souviens bien, vous êtes arrivé en famille quand tu avais 5 ans, c'est ça ? Voilà. Et donc, en découvrant le christianisme donc ici en France, notamment à travers les études, hein, la littérature, la philosophie, je sais pas, voilà. Donc, ça, on sera intéressé de savoir qu'est-ce qui fait qu'un jeune qui arrive d'un autre horizon culturel et religieux est attiré par la foi chrétienne et adhère au christianisme, découvre Jésus-Christ, comment s'est fait cette découverte du Christ, et puis qu'est-ce qui fait que ça a eu un tel attrait que ça a attiré une consécration dans la communauté du Chemin Neuf, et puis la prêtrise maintenant. Voilà. Alors merci d'être parmi nous, Mustapha. Nous sommes tout oui. Ça me rassure toujours quand il y a des personnes qui applaudissent avant, comme ça après c'est... j'avais bien envie de commencer en faisant une courte prière, voilà, pour me remettre devant le Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ta vie avec moi, merci pour tout ce que tu as fait dans mon histoire. Je te remercie maintenant aussi pour tout ce que tu as fait dans la vie de chacune des personnes présentes ce soir. Merci d'être un Dieu qui nous visite, qui nous conduit et qui nous appelle. Donne-nous d'écouter ton Esprit Saint ce soir pour comprendre comment tu agis dans nos vies. Amen. Eh bien, merci de m'accueillir, je suis un peu impressionné. par où commencer? C'est vrai que c'est assez bizarre, toujours, à chaque fois que je témoigne, j'ai toujours envie de commencer par ça. C'était pas prévu dans mon planning de vie de devenir un jour chrétien. Voilà, alors comme le disait Monseigneur Pascal, moi je suis né en Algérie, dans le nord-ouest de l'Algérie, plutôt vers le Maroc, et j'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 5 ans. Et voilà, dans un petit village avec pas beaucoup d'habitants. Et je pense que c'est là-bas que j'ai mes premières expériences religieuses, parce que donc j'avais pas la crèche là-bas, mais il y avait l'école coranique. Et je crois que assez tôt j'avais un rapport à l'islam ambigu. C'est juste que j'aimais pas beaucoup mon professeur, on va dire, et du coup je séchais mes cours déjà à l'âge de 3 ans, avec bien sûr la complicité de ma maman. Mais en fait il se trouve que en écoutant mon grand frère apprendre ses leçons de Coran, je l'ai retenu moi-même. Donc un jour je dis à mes parents, mais moi aussi je connais les sourates, et puis je n'ai recité quelques-unes juste parce que j'avais entendu mon grand frère les réciter. Et c'est vrai que je crois que j'ai toujours eu une sorte d'écoute de Dieu, de la spiritualité. Et je me rappelle toujours en Algérie à l'âge de 4 ans. Ça, je l'ai relu beaucoup plus tard, quand j'étais déjà chrétien. Mais donc quand j'avais 4-5 ans, je me rappelle un jour, j'ai dit à mon papa, mais alors Dieu, il a un fils, et comment avec son fils il fait? Et je sais pas pourquoi, mais il s'est passé à un moment donné dans mon enfance où j'avais cette intuition que ce Dieu dont on me parlait avait un fils. Il n'avait pas de femme, il n'avait pas d'autres enfants. Je ne sais pas d'où ça venait. Et là, mon papa a eu une parole qui était très dure. Je me rappelle qu'il m'avait fait comprendre que c'était vraiment inadmissible de dire ça. Donc moi, j'ai bien sûr rangé ça quelque part. Et puis voilà. Je dis tout de suite ça parce que je crois qu'il ne faut pas négliger les semences de l'Esprit Saint dans nos vies, même si c'est des paroles d'enfants, imaginaires d'enfants. Je crois que ça, sans doute, Dieu m'a, enfin c'est sûr, il m'a appelé dès avant ma naissance. Voilà. Donc, j'ai grandi en Algérie jusqu'à l'âge de 5 ans. Et pour situer, en fait, j'ai une grand-mère qui est française, et du coup, ma maman est née en France. Donc, on avait de la famille en France. Et dans les années 90, au moment où il y avait un peu les années noires en Algérie, le terrorisme, tout ça, c'était un peu compliqué. Mes parents ont décidé de venir vivre en France, comme le reste de mes oncles et tantes. Et on est venu habiter en Alsace. Et c'était assez beau parce qu'en Algérie, maman, elle nous disait de regarder les cigognes voler dans le ciel et puis se poser sur la mosquée. Et on faisait un vœu quand on voyait des cigognes parce que c'était extraordinaire, les cigognes. Et puis on arrivait en Alsace
Et c'était le pays des cigognes, donc là, il y avait plein de choses à faire. Et je crois que c'est un peu le symbole de ma vie, voilà. Les cigognes qui vont des mosquées jusqu'au clocher des églises. Et je peux vous dire que j'ai eu une enfance très heureuse. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui a participé à mon chemin avec le Seigneur. C'est que j'étais très heureux, je me suis très bien intégré, j'ai eu beaucoup d'amis, j'ai senti que j'aimais la vie et que la vie m'aimait. Ça a vraiment marqué mon enfance. C'est un peu ces deux choses, à la fois ça, voilà, tout allait très bien. Et puis, une sorte de mission que m'avait donné mon papa, c'était de me dire, il faut bien travailler à l'école et aller à l'université. Alors, à l'âge de 6 ans, 7 ans, on ne sait pas ce que c'est l'université, mais je me suis préparé. Enfin, j'ai bien travaillé à l'école, j'étais un enfant modèle, tout ça. Et puis, j'ai eu le désir de devenir journaliste assez tôt, vers l'âge de 10 ans. Je voulais dire les nouvelles aux gens. J'avais envie d'être devant le poste de télévision à 20h, devant la France entière, et leur dire bonsoir, voilà ce qui s'est passé aujourd'hui, les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles. Comme quelque chose d'un désir en moi de partager déjà ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe d'important. Et donc, j'ai grandi un peu avec cette idée en tête, et j'ai grandi dans une éducation musulmane. Alors on me demande toujours à chaque fois qu'on sait que je me suis converti, mais est-ce que tu étais vraiment musulman ? Alors oui, j'étais vraiment musulman, et je dirais que j'étais un musulman du vendredi comme il y a des chrétiens du dimanche. Ça veut dire que je faisais pas les 5 prières par jour, je n'étais pas un zélé de la religion, mais je faisais le ramadan. Quand j'étais enfant, je me battais pour faire le ramadan en entier, le plus vite possible, et mes parents disaient « Oh, attends, attends ». Donc je faisais le ramadan, je respectais les interdits alimentaires, je croyais en Dieu, vraiment. Et puis j'apprenais à prier, je priais de temps en temps avec mon papa. Pas toujours parce que, pour que vous le sachiez, la prière, elle se fait toujours en arabe. On ne peut pas prier réellement dans sa langue vernaculaire. Et du coup, j'ai appris à prier en arabe, je ne comprenais pas tellement ce que je disais, en fait. Surtout que c'est ma maman qui n'écrit pas l'arabe, qui nous l'a appris en translittérant en français, donc c'était assez... Mais donc voilà, on priait de temps en temps, j'ai grandi comme ça. En croyant que la bénédiction qu'il y avait sur notre vie, sur notre famille, était due vraiment à Dieu. Et puis, j'ai fait un bac littéraire, et je suis arrivé pour mes études à Strasbourg. J'ai commencé une prépa littéraire. Et je me suis dit, mais en fait, t'étais venu en France pour aller à l'université. J'ai senti qu'il y avait une grande étape de ma vie qui était passée, parce que j'avais enfin mon bac. Et pour moi, c'était très important d'avoir mon baccalauréat, parce que je vous avoue que quand j'ai eu mon baccalauréat littéraire, j'ai senti que j'étais français. Je me suis dit, ok, ça va, je sais que je suis français, tout va bien. J'ai accompli quelque chose d'important de mon cursus d'intégration. Et je me suis dit, tiens, je peux faire un bilan de ma vie. J'ai 18 ans, mais c'est le moment de faire un bilan de ma vie. Et puis j'ai commencé à énumérer les différentes dimensions de ma vie pour voir comment ça allait. Et je me suis rendu compte que les amis, ça se passait très bien, les études, ça se passait très bien, la famille, ça se passait très bien, la santé, ça se passait très bien. Et tout allait très bien dans ma vie. Et du coup, je me suis dit, mais comme tout va bien, je vais me poser la question de Dieu. Parce que c'est une des dimensions importantes de la vie. Et en étant un jeune étudiant qui n'habite plus chez ses parents, très sincèrement, je sentais que croire en Dieu ou pas, ça pouvait changer beaucoup de choses. Il y a eu quelques paramètres qui ont contribué à ma réflexion. Le premier, c'est que c'était, je crois, donc en 2004, la rentrée 2004, on était plein dans la question du voile à l'école et dans les lieux publics, et puis il y avait les caricatures de Mahomet aussi vers cette époque-là. Et du coup, on débattait beaucoup entre camarades de classe sur cette place de la religion dans l'espace public, du voile. Et moi, en tant que jeune musulman, c'est sûr que j'avais un questionnement qui était de l'intérieur par rapport à cette question-là. Le deuxième élément, c'est que assez vite, pendant le début de l'année scolaire, c'était le ramadan. Et du coup, on me posait souvent des questions, mais tu fais le ramadan, pourquoi, tout ça. Parce que je me présentais comme musulman. Quand on arrive dans une nouvelle classe, on se présente et je disais, je suis musulman. Et puis j'avais un camarade de classe qui était aussi algérien, et lui qui était musulman est beaucoup plus pratiquant que moi. Et il avait une vision du monde qui était beaucoup plus musulmane que la mienne. Et du coup, ça a commencé à m'interpeller. Parce que là, j'ai commencé à me dire, mais est-ce que je suis vraiment musulman ? Oui, d'accord, je fais le ramadan, oui, d'accord, je crois en Dieu. Mais quand je vois ce jeune garçon qui fait ses 5 prières par jour, qui est imprégné d'une mentalité à la fois musulmane et algérienne, bien sûr, moi, je ne me sentais pas tellement
dans la même veine que lui. Je me sentais un peu en décalage. Puis le dernier événement, et ça je pense que au ciel je lui demanderai pourquoi, mais notre professeur de philosophie, pour la première dissertation de philo en prépa littéraire d'une école publique, elle nous a donné comme sujet « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est tout. Il fallait faire un sujet de philosophie là-dessus. Alors bien sûr, je suis naïf, je commence tout de suite à ouvrir la Bible, bien sûr, mais à voir ce que dit Freud, ce que dit Nietzsche, et puis la religion, c'est humain, et tatatatata. Mais en fait, la question de l'amour et de la religion devient une question que je m'approprie, sur laquelle je réfléchis. Et à partir de ce moment, la question est devenue très importante. Parce que je me suis rendu compte que si je croyais en Dieu, j'allais aussi faire attention à la manière de vivre, à ma place dans le monde, à pourquoi je suis là, et puis aussi en tant que jeune étudiant, à ma relation avec les filles, à comment je veux construire des relations. Je sentais que ça touchait à plein de choses comme ça. Et puis qu'en fait, si j'étais pas croyant, que si j'avais rien de métaphysique qui déterminait un peu comment me conduire, ben j'allais être beaucoup plus libre, en tout cas. Je voyais que dans ma classe, on avait différentes options. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir. Et puis, un jour, je me suis rendu compte que, en fait, j'étais musulman, mais que j'avais jamais fait l'expérience de Dieu, vraiment. En fait, ça s'était précisé. Je me suis dit, mais en fait, ce Dieu auquel je crois, je l'entends pas, je le vois pas. Comment il parle ? Et au fond, si c'est le Dieu créateur de l'univers, si c'est le Dieu qui est si puissant qu'on me le dit, pourquoi est-ce qu'en fait, il n'est pas visible, il ne se manifeste pas ? Ça ne devrait pas être très compliqué. Et du coup, ça a commencé à me mettre dans cette question, un peu franchement, en disant, mais en vrai, si Dieu veut qu'on le prie, qu'on l'adore, ben quand même, il faut qu'il y ait un peu du donnant-donnant. Je dis un peu comme ça. Et du coup, j'ai commencé à creuser, à chercher, et j'ai ouvert les livres de philosophie. Et je pense que c'est peut-être un truc qui est très français, en tout cas, c'était mon côté très cartésien. Je me disais, bon, je fais de la philosophie, j'ai une raison, je peux réfléchir à la question de Dieu avec ma seule intelligence. Et j'ai pas besoin de ce que les autres vont me dire, et les parents, et là. Voilà, je vais faire mon propre doute métaphysique, mon propre doute hyperbolique de Descartes. Et du coup, j'ai commencé à me dire, mais tiens, comment le monde a été créé? Est-ce qu'on a besoin d'une première cause? Et ta. Et je vous avoue que la philosophie m'a pas forcément donné la réponse. Mais elle m'a montré que c'était une bonne question. Ça, c'est bien la philosophie, c'est que ça nous dit, en fait, voilà, il y a des bonnes questions, et puis il y a des mauvaises questions, et puis c'est important de se les poser. Puis à un moment donné, ça m'a fatigué. Et je me suis dit, mais Mustapha, t'es musulman, ta famille est musulmane, et ben en fait, sois un bon musulman, te fatigue pas. Et en fait, je vous avoue que je regardais un peu cet ami musulman de ma classe qui vivait une sorte d'harmonie entre sa foi et sa vie de famille. Et je me disais, mais au fond, tout va bien dans ma vie. Si en plus j'étais un bon musulman, mes parents seraient fiers de moi, et moi je serais fier de moi, et tout irait bien. Et un soir, j'ai décidé de faire ma profession de foi musulmane. La profession de foi musulmane, c'est un des 5 piliers de l'islam. Avec le ramadan, avec la prière, avec le pèlerinage et l'aumône. Et ces 3 phrases qui consistent simplement à dire « Je crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Allah, et en son prophète Mohammed. » Quelque chose comme ça, voilà. Et c'est quelque chose que quand on est petit, on récite tous les soirs avant de se coucher. Et je me suis dit « Mais je vais faire cette profession de foi-là, je suis musulman, et puis voilà. » Et en fait, j'ai vécu un blocage. Et j'ai pas du tout dormi de la nuit. Et ça m'arrivait pas souvent. Je dormais plutôt bien après mes bonnes journées de prépa. En fait, j'ai eu un gros blocage et en me réveillant le lendemain, j'ai senti que j'allais choisir une religion sociologique. J'ai senti que moi, Mustapha, né en Algérie, j'allais choisir un islam qui n'était pas si facile pour moi parce qu'il fallait prier en arabe, qu'il fallait accéder au Coran, qui n'était pas si facile, mais que ça se ferait. Mais je me suis dit, mais Mustapha, mais tes camarades de classe français, ceux qui ne connaissent pas du tout l'arabe, qui ne sont pas algériens, qui n'ont pas de background musulman, comment ça leur parle à eux ? Comment est-ce que ça peut être universel pour eux, cette religion ? Et en fait, je me suis rendu compte que l'islam était même pour moi quelque chose de trop culturellement marqué, et que moi, je pouvais encore m'en accommoder, mais qu'il manquait quelque chose d'universel. Et là, s'est révélée pour moi la question par rapport à Dieu que j'avais à résoudre, c'était, mais en fait, si Dieu existe, il est universel, et il existe pour tout le monde. Donc soit Dieu existe, il existe pour tout le monde, soit Dieu n'existe pas, il existe pour personne. Et c'est pas juste une question de moi je choisis ça, toi tu choisis ça, et puis on est content, parce que si l'Australie à l'autre bout du monde, elle existe, et ben même si ce soir je vous jure que l'Australie n'existe pas, ça ne changera rien, les Australiens seront contents. Et pour moi c'était très important philosophiquement de me dire, au fond il y a une vérité.
et il faut que je sois en accord avec les autres. Et en fait, j'ai des camarades de classe qui sont chrétiens, des camarades de classe musulmans, des camarades de classe non-croyants, et je peux pas faire simplement comme si tout le monde avait raison. Il y a quelque chose où je dois avoir pas simplement une bonne conscience, mais aussi une conscience droite de croire qu'il y a une vérité et pas une autre. Et du coup, je me dis, ben alors, est-ce qu'il y a un Dieu universel ou il n'y a rien du tout? Et puis, voilà, la question s'est faite, j'ai cheminé. Et s'est passé quelque chose que j'explique toujours pas vraiment. C'est qu'un jour, je suis rentré dans la cathédrale de Strasbourg parce qu'au lycée, j'ai fait des études d'histoire de l'art. Et on avait vu plein de tableaux avec Jésus, on avait vu plein d'architecture gothique, baroque, tout ça, enfin, ce que vous voulez. Et je me suis dit, ben tiens, je vais visiter la cathédrale pour voir comment c'est dedans. Simple curiosité culturelle. Et puis, il se trouve que c'était pendant la messe. Et du coup, je me suis assis au fond et puis j'ai commencé à regarder. Je me suis dit, tiens, j'ai fait une dissertation sur un peu les chrétiens, tout ça. Je vais regarder un peu comment ça se passe. Et puis, ça m'a un peu interpellé parce que j'ai trouvé ça très folklorique. Je vous avoue, en plus, surtout la cathédrale, donc de l'encens, de l'orgue, tout ça. Je me suis dit, oulala, c'est quoi tout ça? Et puis, en même temps, je me dis, mais tiens, c'est drôle, mais les chrétiens, même si c'est un peu voilà, folklorique, même si c'est des histoires, ils croient en des trucs un peu, voilà. En fait, j'ai l'impression que le message, c'est toujours l'amour. Et je ne sais pas ce que j'ai entendu ce jour-là à la messe, ni de l'homélie, ni des textes, mais il y a quand même quelque chose en moi qui me dit, tiens, quand je pense au christianisme, je pense quand même, à un moment ou à un autre, à Dieu est amour. À tu aimeras ton prochain. À tu jugeras pas ton prochain. Et en fait, je ne trouve pas ça dans l'islam comme évidence, je ne trouve pas ça dans l'agnosticisme comme évidence. Et du coup, je me dis, tiens, bah, les chrétiens, ils ont quand même un message qui est bon pour l'humanité. Et je suis retourné 2 fois, 3 fois, 4 fois comme ça à la messe. Et je crois que je cherchais quelque chose et que pour moi, il y avait une sorte d'expérience par la pratique qui se mettait en place sans que je me rende compte de ce que ça impliquait d'aller à la messe comme ça plusieurs fois. Et puis, j'ai commencé une deuxième année d'études, de prépa, plus intensive. Et là, je vous avoue que j'étais prêt à abandonner un peu ce chemin, ce questionnement un peu spirituel. Parce que je me disais, bon, quand même, il y a plein de choses à faire assez passionnantes dans la vie. Mais on a commencé à étudier en cours de philosophie Pascal, Blaise Pascal. Alors là, mon prof de philo, qui était vraiment très bon, a commencé à nous présenter le Blaise Pascal scientifique, le Blaise Pascal qui utilise la raison et qui dit l'importance de la raison. Alors du coup, moi je notais consciencieusement, c'est très bien tout ce qu'il dit. Et puis tout d'un coup, on étudie un texte qui est fondamental où Pascal dit, non pas le Dieu des philosophes et des savants, mais le Dieu sensible au cœur. Et Pascal qui explique que de chercher un Dieu par la raison et de le mettre juste un peu comme une cause qui expliquerait l'existence du monde, c'était un prétexte de philosophe qui allait satisfaire notre intelligence, mais qui faisait rien de plus. Et je me suis rendu compte que tout mon cheminement intellectuel depuis 1 an et demi, ça avait consisté à ça. J'avais cherché dans les livres une sorte de satisfaction intellectuelle pour dire, ben voilà, le monde existe avec Dieu, sans Dieu, mais que c'était juste pour satisfaire un peu mon ego, mon intelligence, mais que ça répondait pas du tout à quelque chose de plus total en moi. Et puis quand Pascal dit « Mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, alors pour moi c'était du chinois, le Dieu sensible au cœur », là ça me parlait beaucoup plus. Et puis il y avait une autre citation qui est importante, c'est Pascal qui dit « Le cœur a ses raisons que la raison ignore ». Ça c'est Blaise Pascal. Et moi j'avais toujours cru au collège que c'était une phrase qu'on disait à son amoureuse pour lui dire pourquoi on l'aimait et qu'on ne savait pas pourquoi on l'aimait. Alors on dit « Mais tu sais, le cœur a ses raisons que la raison ignore » et que ça faisait toujours son effet. Et là, en fait, Pascal m'expliquait qu'en fait, ça parle de Dieu, et que c'était pour comprendre qu'il y avait des réalités, celles qui concernent Dieu et l'amour de Dieu, qui ne rentrent pas dans notre petite tête, qui ne rentrent pas dans la raison, qui sont beaucoup plus grandes, mais qui ont aussi une raison d'être, qui ont aussi une sorte d'intelligence, qui ont leur propre ordre. Et du coup, ça m'a mis devant quelque chose d'assez sérieux. Je me suis dit, ok, je vais arrêter ma réflexion sur Dieu, mais si intellectuellement je suis honnête, je ne peux pas dire que je ne crois pas en Dieu si je ne vais pas voir du côté de la Bible, là, dont me parle Pascal. Parce que, en fait, j'ai vu du côté de l'islam et je n'ai pas trouvé ma réponse. Et avant de dire que je suis agnostique ou athée, je vais voir ce que dit la Bible parce que c'est quand même un peu central et c'est un témoignage. Et je vais voir ce que me dit ce témoignage. Et puis, et alors l'anecdote, c'est que pendant ma deuxième année d'études, j'avais une chambre au grand séminaire de Strasbourg. Parce qu'il y avait un foyer d'étudiants là-bas
Et le grand séminaire était collé à mon lycée, à ma prépa, et puis collé à la cathédrale. Donc j'étais quand même dans un univers où la question était inévitable. Et du coup, je me disais, bon, j'ai autre chose à faire de mon argent de poche que d'acheter une Bible, donc il y aura bien autour de moi un séminariste ou un prêtre qui va m'en passer une. Que nenni. Du coup, j'étais un peu comme ça avec mes questions et mon attente. Et puis un jour, au restaurant universitaire, j'ai une amie protestante, on est bien dans les clichés, qui me dit, tiens, j'ai remarqué que tu te posais des questions sur Dieu, je t'ai acheté un Nouveau Testament, tu peux le lire si tu veux, je te conseille de commencer par Matthieu, et puis tu pourras lire les lettres de Jean, et puis voilà, elle m'a donné trois conseils, très simples, de lecture, et voilà, elle m'a laissé avec ça. Donc moi, je suis rentré dans ma chambre, et puis j'ai commencé à ouvrir ce livre. Et c'était en plein examen blanc, c'était en décembre, en plein partiel, on avait beaucoup, beaucoup de travail, et du coup, après des examens de 5 heures ou 6 heures de dissertation, je rentrais dans ma chambre, je dormais, puis je dis, tiens, mais alors, il y a quoi dedans? Puis je commençais à lire un petit peu, puis à lire un petit peu. Puis de jour en jour, je commençais à réaliser qu'il y avait, en lisant les évangiles, un goût particulier, une ambiance dans laquelle je rentrais qui était toute nouvelle, que je connaissais pas. L'évangile me faisait rentrer dans un univers. Et là, je me suis rendu compte que je connaissais des choses sur le christianisme, mais j'aurais pu vous dire plein de choses sur les chrétiens. Parce que justement, avec l'histoire de l'art, j'avais vu mais des centaines de tableaux de Jésus en croix, en gloire, en ascension, en tout ça. Enfin, j'avais une idée de Jésus, peace and love, faites l'amour, pas la guerre. Et puis, là, je me dis, mais c'est la première fois de ma vie que je lis vraiment 2 pages, 3 pages, 4 pages d'évangile à la suite. Et ça m'a marqué. Je me suis dit, waouh, j'aurais pu me positionner sur le christianisme sans avoir lu 4 pages d'évangile à la suite. Et je me suis dit, bah dis donc, j'ai quand même de la chance de faire ça maintenant. Et du coup, je commence à lire en me disant, de toute façon, ça me fera une culture générale. Et je vous avoue que j'ai commencé à utiliser les paraboles, tout ça, pour introduire mes dissertations de philosophie et littérature. Ça marchait très bien. Et puis, je lis. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, c'est les moments de la vie où, justement, ça dépasse la raison. Je fais l'expérience de l'amour de Dieu. Dans ma chambre, tout seul, sur mon lit, je fais l'expérience de l'amour de Dieu. Et c'était tout simple. Je pense que c'était peu après avoir lu Matthieu 5, 22, 33, vous savez, où Jésus dit, mais regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, et votre Père leur donne tout ce dont ils ont besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par surcroît. Ne vous souciez pas du lendemain, il se souciera de lui-même. Vous savez, quand on est en prépa littéraire, jeune étudiant, on prépare des grands concours, on se soucie beaucoup du lendemain. Et là, cette parole, elle a visé quelque chose, de dire, mais te soucie pas du lendemain, parce que, en fait, tu es aimé. Et là, j'ai revu ma vie en flashback, et je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais été heureux toute ma vie. Et que si j'avais été toujours heureux, c'est parce que c'était ce Dieu-là qui prend soin des petits moineaux, des petits lys, et qui avait toujours pris soin de moi, qui m'avait toujours aimé. Même quand moi, je pensais pas du tout à lui, je faisais ma petite vie d'adolescent, d'étudiant. J'étais vraiment, waouh, incroyable cet amour. Là, c'est le philosophe qui a été converti, parce qu'à partir du moment où j'ai expérimenté un instant cette présence, je pouvais plus douter que Dieu existait. Et puis, à l'époque, j'étais très amoureux d'une fille, et en fait, quand cette fille était pas là, cet amour, il était tellement fort que je savais qu'elle existait. Je pouvais pas y échapper, elle était quelque part, mais elle était là, toujours présente. Et là, je faisais cette expérience que Dieu était toujours présent à cause de cet amour. Mais le musulman en moi n'était pas converti. Et du coup, je dis, bon, d'accord, Dieu existe, il est amour, très bien, mais bon, Jésus, c'est qu'un prophète. On m'a toujours dit que c'était qu'un prophète. Je veux bien l'intégrer dans la théologie, plus ou moins, mais pas besoin de croire que c'est le fils de Dieu. Et puis, je sais pas pourquoi, cette expérience que j'ai faite de Dieu, elle commence à m'échapper, petit à petit. Hein. Et je commence à pas trop comprendre, finalement. Je dis, mais c'est bizarre quand même, c'était sûr cette expérience de Dieu. Et je continue bien sûr à lire les évangiles, et puis je tombe sur ce verset, où Jésus dit, « Nul ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Juste avant, il dit « c'est pas aux sages et aux savants que cela a été révélé, mais aux tout-petits ». Et pour moi, qui faisais de la philosophie, ça avait été très important. Je dis « sage, les sages et les savants », tout de suite, on fait « clic ». Et puis, du coup, si tu sais que Dieu t'aime, c'est pas à cause de ton intelligence. C'est parce que ça t'a été révélé. Et là, j'ai compris que si j'avais pu faire cette expérience de Dieu,
c'était à cause de Jésus. Et j'ai compris quelque chose de très important, c'est que à cause de la philosophie, je croyais que c'était avec ma propre force intellectuelle qu'il fallait trouver Dieu. Et à cause de l'islam, je pensais que c'était par la force de la pratique, Dieu est vraiment en haut et puis c'est à moi de faire cet effort. Et par Jésus, j'avais compris que c'était Dieu qui faisait le chemin jusqu'à moi. Et ma fameuse question de me dire si Dieu existe, il doit être universel, et je ne sais pas comment ça se peut, en fait, elle se résolvait parce que je comprenais que Dieu était universel, parce que c'était lui qui faisait le chemin depuis le ciel jusqu'à chacun d'entre nous, que c'était lui qui s'occupait de chacun d'entre nous comme un enfant. Et c'était parce qu'il était un amour qui peut rejoindre chacun où il en est, qu'il était universel. Et là, pour moi, ça a été... Ok, Jésus, merci, gloire à toi. Et j'ai reconnu quelque chose comme mon péché, parce que moi, mon péché, c'était pas d'avoir une vie dissolue ou je sais pas quoi. Mon péché, c'était de me dire, en fait, j'ai pas besoin de quelqu'un d'autre et j'ai pas besoin de Jésus pour recevoir l'amour de Dieu. Je vais bien me débrouiller tout seul, je suis un type sympa. Et en fait, j'avais besoin de Jésus pour vivre de cet amour de Dieu. Et moi qui étais heureux, moi qui croyais que j'avais un cœur en bonne santé, j'ai fait une expérience que je nomme l'expérience du pop-corn. C'est que c'est comme si mon cœur avait été un grain de maïs. Jaune, bien lisse, brillant. On peut manger du maïs, c'est très bien. Mais tout d'un coup, en l'espace de quelques jours, d'un instant, il y a une transfiguration. Vous savez, un pop-corn, quand ça éclate, ça ressemble plus à un grain de maïs. C'est léger, c'est fondant sous la bouche, c'est sucré. Et mon cœur a vécu cette transfiguration. J'ai compris que mon cœur pouvait être tout autre, que mon cœur pouvait aimer encore plus, aimer différemment. Et ça, c'était... waouh ! Mais en fait, je croyais que... Bon, j'avais vu plein de choses dans ma vie, et Dieu a pour moi tout un univers. Il y a encore des choses immenses que j'ai pas vues. Et quand je sortais dans la rue, je voyais les gens dans la rue comme d'habitude, et il y avait une lumière sur ces personnes. Je me disais, oh, mais Dieu m'aime et Dieu les aime. Mais c'est fantastique. Et ça, c'était vraiment pour moi quelque chose de complètement nouveau. Et là, une question existentielle a émergé de cette rencontre avec Dieu. C'était, pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Parce que je me suis dit, mais je viens d'une famille musulmane, Seigneur, pourquoi moi ? Parce que je pressentais que ça serait pas facile. Et puis pourquoi moi, Dieu ? Parce qu'en fait, finalement, tout va bien dans ma vie. Alors pourquoi t'es venu dans ma vie et tu vas pas dans la vie de ceux qui souffrent, de ceux qui sont pauvres, de ceux que... Et ça, c'est une tendance qu'on a beaucoup, nous, enfin les chrétiens, puis c'est de dire, bon, mais Dieu, très bien, mais avant de venir dans ma vie, il y en a tellement d'autres qui en ont besoin. Et donc moi, j'ai dit, Dieu, mais pourquoi moi d'abord et pas d'autres ? Et là, j'ai compris que Dieu me disait, mais Mustapha, et moi je t'aime, toi, et je veux que tu saches que tu es aimé. Et je veux faire quelque chose dans ta vie. Et peut-être que je veux que tu fasses quelque chose pour les autres. Mais ce que je te demande, c'est d'accueillir mon amour, et puis de me laisser aussi m'occuper des autres. Et c'était très important de dire, ah ouais, d'accord, ok, ben, je vais recevoir cet amour pour moi. Et après, c'est la deuxième question, après pourquoi moi, c'est pourquoi que maintenant ? Pourquoi en fait, Dieu... Tu n'es pas venu le premier jour où je t'ai demandé de te manifester. Pourquoi tu n'es pas venu les premiers jours où je me suis posé la question de savoir si tu existais ou pas ? Et là, à nouveau, je pense qu'il y a une grâce quand on rencontre le Seigneur, c'est que c'est limpide. Donc ça, en lisant l'évangile, ça... Et j'ai vraiment senti que Dieu me disait très clairement, mais Mustapha, tant que tu me cherchais avec ta tête, avec ta raison, avec tes concepts, en fait, tu ne pouvais pas m'accueillir. Et vous savez, un peu comme quand on cherche la princesse charmante ou le prince charmant et qu'on se dit, ok, le prince charmant, il est blond aux yeux bleus ou la princesse charmante, elle est brune aux yeux verts. Et bien en fait, si la princesse charmante, elle n'est pas brune aux yeux verts, mais qu'elle est blonde, ben je vais la rater parce que je l'attends à un endroit et elle a un autre. Et en fait, je comprenais qu'avec Dieu, c'était pareil. Si je cherchais Dieu comme principe métaphysique, comme cause de toute chose, comme blablabla ou je sais pas quoi, en fait, je ne pouvais pas. J'étais en train de vouloir, moi, construire un portrait robot de Dieu. Et bien après dire, mais avec ce portrait robot, je vais chercher Dieu dans la rue ou dans l'église. Et là, c'est comme si Dieu m'a dit, mais Mustapha, je suis venu dans ta vie à partir du moment où tu m'as laissé faire, où tu as ouvert l'évangile et où tu as accepté que je puisse venir dans ta vie tel que je suis, et pas tel que tu voulais que je sois. Et là, j'ai la reconnaissance pour Dieu, parce qu'en fait, il avait honoré mon chemin intellectuel. Il avait respecté de me poser des questions, et puis il a attendu simplement le moment où j'allais un peu... m'humilier, me dire ok, pour venir. Et ça, c'est une reconnaissance que j'ai encore aujourd'hui parce que Dieu ne m'a rien enlevé de mon esprit critique, de mes questions philosophiques, existentielles, de ma volonté de comprendre le monde d'un point de vue non-croyant. Il ne l'a pas enlevé, au contraire, il l'a béni, il l'utilise tous les jours pour l'évangélisation, pour que j'aille plus loin dans ma foi.
Et ça, pour moi, c'est une action de grâce pour Dieu qui me respecte comme je suis, avec comme est mon cerveau, comme est mon corps, mais qui veut l'amener plus loin. Donc ça, c'est vraiment ma rencontre de Dieu. Et à partir de ce moment-là, c'est une alliance qui a commencé avec le Seigneur qui était vraiment incroyable. Une des premières fois où j'ai voulu prier, je ne savais pas comment prier. Et je me rappelle, j'étais sur mon lit et je fais simplement « Dieu, merci d'être venu dans ma vie alors que voilà, je suis un être humain parmi des milliards et merci pour ton amour. » Et là, j'ai cru que j'allais mourir de bonheur. Et c'était vraiment... C'est bizarre d'avoir l'impression de mourir quand on a 20 ans. Et du coup, j'ai fait une négociation diplomatique bien réglée avec le Seigneur. Je lui ai dit « Non, pas maintenant, je suis pas encore baptisé. Attends un petit peu, puis après... Et puis la question du baptême est venue un peu plus tard, parce que j'avais besoin quand même de découvrir l'évangile, donc j'ai continué à lire l'évangile presque tous les jours. Et puis cette amie qui m'avait offert le Nouveau Testament, je lui ai dit qu'il s'était passé quelque chose, puis elle m'a acheté une Bible, et donc j'ai commencé à lire la Bible, puis à me poser des questions sur la Bible et tout ça. Puis elle m'a invité une ou deux fois à des repas, avec des jeunes qui simplement chantaient avant le repas, et puis partageaient sur la Bible. Et vous savez, quand on n'est pas croyant et qu'on découvre, et ben en fait, on n'est pas dans le jugement, dans « Ah là là, mais qu'est-ce qu'ils font ?» et tatatat. En fait, on reçoit. Et moi, je disais « Tiens, mais c'est des jeunes de mon âge, et ils partagent la parole de Dieu, et ils chantent, et ils ont l'air heureux ensemble, et c'est tellement beau. » Et ça m'a touché, de voir que voilà, un partage simple autour de la parole de Dieu, que on pouvait prendre la Bible et c'était simple. Et puis à côté de ça, je commençais à aller à la messe, parce que je pense que d'habitude au grand séminaire, j'avais un pied bien posé dans le catholicisme. Puis à partir du moment où j'avais rencontré le Seigneur, avant je me méfiais beaucoup des séminaristes et des prêtres. Je me disais, ils vont vouloir prêcher pour leur paroisse, tout ça. Je suis en train de me poser des questions philosophiques, alors surtout, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Mais par contre, à partir du moment où j'étais devenu chrétien, j'avais une chance incroyable, c'est que je pouvais poser des questions et puis écouter. Puis je commençais à aller à l'office des Lourdes et puis... J'allais à la messe tout seul, alors c'est assez étrange parce que d'aller à la messe tout seul quand on découvre le Seigneur, vous vous asseyez au fond de l'église, puis vous savez pas comment ça se passe, donc quand les gens se lèvent, vous vous levez 5 secondes après, quand ils font un signe de croix, vous faites 5 secondes après, et en fait c'est une expérience particulière, je vous partage simplement, c'est que à la fois j'ai fait une sorte d'expérience de solitude, ça veut dire que j'allais à la messe tout seul, le dimanche quand je revenais de la messe au début, bah, j'étais tout seul, bon mais c'était pas très grave, hein, mais... parce qu'en fait, bon, j'allais à la cathédrale au début à la messe, et donc quand on va à la cathédrale à la messe, c'est très anonyme. Les gens se disent pas bonjour, et des gens qui viennent de partout, tout ça. Donc il y avait à la fois ce côté anonyme où je me disais, bon, ben, quand même, je viens de rencontrer le Seigneur, donc c'est bien. Puis d'un autre côté, je me disais, c'est quand même génial, parce que je suis là, je connais pas le credo, le gloria, ni rien du tout, mais je suis pas jugé. Et je me sentais quand même bien parce que j'étais pas jugé. Je sentais que je pouvais apprendre. Enfin, il s'était passé un déclic en moi qui me disait, mais prends ton temps. Vas-y. Apprends à prier comme ça vient. T'es pas obligé de faire comme tout le monde si tu sais pas. Et du coup, ça s'est fait comme ça, tout doucement. J'ai commencé à aller à la messe, à avoir soif de la messe, puis à grandir dans la parole de Dieu. Et vraiment, un chemin s'est fait jusqu'au jour où quelqu'un m'a dit, mais tu voudrais pas être baptisé? Et pour moi, dans ma tête, être baptisé, c'était être disciple de Jésus. C'était associé, baptême égale disciple de Jésus. Et du coup, je dis, ah ouais, j'ai trop envie d'être disciple de Jésus. Je crois que je suis prêt à ça. Parce que je savais ce que ça allait impliquer après pour moi. Et ce qui m'a aidé, c'est que la personne, elle m'a dit, tu sais, il y a les dominicains qui sont pas loin, et puis les dominicains, c'est un peu des intellos, alors comme t'es en prépa, ça va bien t'aller. Et du coup, je suis allé demander le baptême chez les dominicains, le jour de la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin. C'est une date assez importante, c'est bien. Le 24 juin, je vais chez le Dominicain, je demande le baptême. Et ce jour-là, sans que ce soit prévu, il se passe le premier clash avec mes parents. Un truc au téléphone, des disputes à cause de mes études, ça. Et je fais pas le lien tout de suite, mais le jour où je demande le baptême, il y a un truc avec mes parents qui, voilà, qui coince. Et en fait, ça, c'était un peu lié spirituellement, tout ça. Bon, le frère dominicain m'a dit, d'accord, très bien, bon, réfléchis pendant l'été, puis tu reviens me voir à la rentrée si tu as toujours envie d'être baptisé. Donc, bien sûr, ça n'avait pas changé. Et puis, j'ai commencé pour le baptême. Puis, ce qui était génial pour moi, c'est que le frère dominicain, on était juste tous les deux. Il me passait le catéchisme, il me disait, tu lis le catéchisme, et puis on se voit dans deux semaines. Et donc, moi, je lisais, hop, je notais toutes mes questions. Puis après, je lançais toutes mes questions. Et souvent, mes séances de caté, c'était, bon... Sur la foi, je comprends très bien. J'ai la foi. Mais quand même, pourquoi l'Église dit ça et pourquoi? Et en fait, ça a honoré aussi ma démarche aussi intellectuelle et puis qui s'unifiait petit à petit avec cet amour de Dieu.
Donc il y avait cette préparation. Et puis j'ai découvert assez vite aussi le monde charismatique avec un groupe de prière. Et puis je suis allé une fois ou deux dans la communauté des Béatitudes parce que quelqu'un m'y a invité. Et puis j'ai commencé à fréquenter un groupe de prière qu'on appelle charismatique. Et donc, moi, vous savez, quand on n'a pas de background chrétien, c'est très naturel. Hein, donc, on prend tout ce qui vient, puis on dit d'accord. Donc, la messe à la cathédrale avec l'orgue, et puis très solennel, tout ça, c'était tout à fait normal. Et puis, le groupe de prière charismatique où on chante en langue et on lève les mains, et puis c'était tout à fait normal. Je me disais, mais c'est Dieu qui agit puissamment et différemment. Et du coup, j'ai grandi comme ça avec, dans le bain classique et charismatique et dominicain, et voilà. Et ça faisait le bon petit mélange. Jusqu'au jour où j'étais baptisé à Pâques 2008, et ça c'était génial. Donc Pâques 2008, baptême, je suis baptisé, et alors c'est magnifique, à l'église, il y avait des amis de prépa, des amis du lycée, des amis de mon groupe de prière, il y avait des gens de toute ma vie, mais qui jamais de la vie se rencontraient. Et mon baptême a rassemblé ces gens-là. Et pour moi c'était très important, j'ai dit, mais Seigneur, tu fais l'unité avec toute ma vie d'étudiant, ma vie de croyant, ma vie de païens, même. Tu fais l'unité, en fait, en ramenant ces gens. C'était très fort, parce qu'il y avait plein de non-croyants qui se souvenaient à mon baptême. Et ça, c'était vraiment très fort pour moi. Alors, ma famille n'était pas là. Mais je finis juste sur le baptême. Il s'est passé quelque chose de fort, c'est que je me suis dit, bon, les trois à la fois, ça va être un peu un package. Mais au moment du baptême, je sens que je deviens enfant de Dieu. Et je réalise que jusqu'à ce soir du 22 mars 2008, c'était toujours possible pour moi de prendre la porte, de partir et puis de dire « je fais ma vie ». Et là, en fait, c'est comme si Dieu me disait « maintenant, Mustapha, si tu veux, tu peux toujours prendre la porte, tu peux toujours partir, mais moi, je suis ton père, je t'ai adopté pour toujours et je m'engage avec toi. Donc, quoi que tu fasses, je suis ton père et je m'occupe de toi. » Et ça, c'était très fort de me sentir devenir enfant de Dieu. Et puis, 10 minutes plus tard, à la confirmation, je comprends que Dieu m'envoie, que Dieu met quelque chose en moi pour l'annoncer. Et c'était pas comme le baptême, c'était me dire, ben voilà, t'es enfant de Dieu, et puis maintenant je te fais disciple pour m'annoncer dans le monde. Et par contre, au moment de l'Eucharistie, là c'était trop, j'ai dit, recevoir Dieu en moi, c'était vraiment, c'était trop fou, et c'était vraiment très très beau. C'est vraiment la grâce de Dieu, et puis aussi, je pense pour moi, un starting block qui m'a prélancé dans mon appel. Et puis entre-temps, donc avant ça, il s'est passé bien sûr l'histoire avec ma famille. Donc au début, je leur ai pas dit, et puis ils ont compris que quelque chose changeait en moi. Parce que par rapport au ramadan, je prenais un peu plus de distance, je posais des questions. Je posais des questions sur la religion, je ne me rendais pas compte que je citais la Bible à mon papa. Je disais, oui, dans les évangiles, je sais qu'il y a une parabole qui parle de ça. Comment on te suit ? Bon, vraiment, Dieu, des fois, il fait des choses, je ne m'explique pas maintenant. Mais je parlais un peu avec mes parents d'une sorte d'ouverture religieuse. Je préparais le terrain. Et puis, une amie m'a invité à passer une semaine d'été à Thésée. Thésée, c'est une communauté en Bourgogne où il y a beaucoup de jeunes qui vont prier. Et donc, moi, j'ai dit à mes parents, je vais faire du camping en Bourgogne. J'ai jamais menti à mes parents. C'était pas un mensonge, c'était une vérité partielle. Donc, j'ai dit, je vais faire du camping en Bourgogne, très bien, j'y vais. Sauf que mon papa dit, j'avais dû dire Thésée, et du coup mon papa dit à des amis qui passent à la maison, oui, Mustapha, il est à Thésée. Et ses amis sont chrétiens, catholiques. Et ils disent tout simplement, mais il veut devenir catholique. Et là mon papa il comprend, et je reçois un coup de téléphone de la maison assez flippant, je sais pas comment dire, où je comprends qu'il se passe quelque chose. Et mon papa me dit, tu m'avais pas dit que c'était chrétien à Thésée, tu m'avais pas dit que... Et donc là, je commence à dire oui, non, mais bon, on peut y aller sans être chrétien, ce qui n'était pas faux. On peut... Mais par contre, quand je suis rentré, mon papa a changé sa relation avec moi. Et à partir de ce moment, à chaque fois que je rentrais à la maison, il commençait à me montrer des vidéos de prédicateurs musulmans, à essayer de me parler de la foi musulmane, alors qu'il ne le faisait pas autant avant. Voilà, il voulait faire de moi un musulman, alors qu'avant, il me faisait confiance plutôt. Et un jour, je me rappelle, il m'a dit « viens voir à l'ordinateur ». Et mon papa n'utilisait pas trop Internet, mais je m'assois devant l'ordinateur, et puis je vois l'adresse du site Internet, ça s'appelait aimerjesus.com. Et donc là, en une fraction de seconde, je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête, je me dis aimerjesus.com, mais papa il est devenu chrétien, mais qu'est-ce qui se passe, tout ça. Et puis en fait, aimerjesus.com, c'est un site qui est tenu par des musulmans qui veulent détruire la foi chrétienne de manière systématique. Et du coup, c'était des témoignages de musulmans qui s'étaient convertis, mais qui s'étaient finalement reconvertis, tout ça.
Et puis là, j'ai compris que ça commençait à devenir difficile, que ça commençait à être de plus en plus tendu. Ça a duré comme ça un an. Et puis, juste avant l'été 2007, j'ai senti que ça devenait trop tendu avec mes parents. Et donc, j'ai commencé un peu à tourner en rond dans la maison en espérant que ma maman comprenne le signal de détresse. Ma maman a compris le signal de détresse. Elle me dit « qu'est-ce qui ne va pas ?» Et donc là, je lui explique qu'il y a quelque chose par rapport à ma foi qui est en décalage. Et là, elle me dit « en fait, c'est bien que tu en parles parce qu'en fait, ton papa, il veut te poser un ultimatum. C'est qu'en fait, ou tu es musulman et tu peux rester à la maison, ou tu es chrétien et tu dois partir. » Donc, je ne m'attendais pas à ça. Mais je m'étais préparé, en fait. Je savais que j'avais choisi Jésus. Et donc là, c'était évident. En fait, je vous avais dit que j'avais toujours été heureux. Et à partir du moment où j'avais rencontré Jésus, j'avais été vraiment très heureux. Et là, j'ai senti que j'allais choisir Jésus à ce moment-là, pas parce que tout allait bien, mais parce qu'en fait, Jésus était mon maître et Seigneur. Et parce qu'en fait, c'était lui qu'il fallait suivre. Donc j'ai dit à ma maman, j'ai dit, ben, je vous ai jamais menti, je peux pas vous mentir, je suis chrétien et c'est ça pour moi qui me rend heureux et c'est ça la vérité. Donc voilà. Donc il s'est passé un espèce de téléphone arabe, je vais dire. C'est que je l'ai dit à ma maman, puis moi je suis retourné à Strasbourg, qu'il a dit à mon papa, voilà. Et puis là mon papa il m'a appelé au téléphone et puis il me dit, t'as pas voulu comprendre tout ce que j'ai voulu faire en te ramenant à l'islam, toutes ces vidéos, tout ça. J'avais essayé de te prévenir. Mais comme tu veux pas, ben, c'est fini. Maintenant, tu peux prendre toutes tes affaires et partir. Moi, j'oublie que j'ai un fils qui s'appelle Mustapha. Et puis, tu peux oublier que tu as un papa. C'est terminé. Puis, on termine comme ça la discussion. Et alors là, je sens en moi tout de suite quelque chose que... Ça, c'est le point de vue de mon papa. Mais c'est pas mon point de vue. Donc, je lui envoie tout de suite un message pour lui dire... En fait, pour moi, tu seras toujours mon papa. Parce qu'en fait, je savais qu'il fallait que je réagisse en chrétien, et pas en musulman ou en réaction, mais en chrétien. Donc je lui ai envoyé ça pour lui dire tout simplement, voilà ce que moi je pense, pour moi rien ne change. Et puis je me suis tourné vers Dieu. Et je lui ai dit, mais en fait, Dieu, mon papa de la terre, alors que j'ai super bien travaillé à l'école, alors que j'ai pas fait de crise d'adolescence, alors que j'ai voulu toujours tout bien faire, en fait, il peut pas être fidèle jusqu'au bout. Parce que là, aujourd'hui, je rentre pas dans son projet de vie. Mon papa m'abandonne. Mais toi, t'es mon père du ciel. Alors aujourd'hui, c'est toi qui t'occupes de moi. C'est toi qui vas t'occuper de ma vie. Et vraiment, Dieu s'est occupé de moi sur le plan matériel, sur le plan spirituel, sur le plan relationnel. J'ai vraiment manqué de rien. C'était vraiment incroyable. Et pour vous donner un exemple, juste l'été qui a suivi, parce que c'était vers la fin de l'année, l'été qui a suivi, je n'avais pas d'endroit où aller. Je suis parti à Thésée à nouveau, mais là pendant 2 mois pour être au service. Et puis à la fin de ces 2 mois de service, je me suis dit, mais mince, en fait, c'est bientôt la rentrée scolaire. Et en fait, j'ai pas d'argent pour payer mon premier mois de loyer parce que la bourse d'étudiants n'arrivait pas encore. Donc, comment je vais payer mon premier mois de loyer, mes études et la nourriture, tout ça? Bon, bah, Dieu, c'est toi qui t'occupes de moi. Prière très simple, vraiment. Mais dire, mais Dieu, je crois que tu t'occupes de moi. Et puis là, quelqu'un m'appelle au téléphone. On s'était rencontrés à Thésée, mais je n'avais pas dit que je cherchais du travail. Je n'avais pas dit que j'avais besoin d'argent. Il me dit, je sais qu'il y a des vendanges qui se font en Champagne, ce n'était pas du tout ma région, et puis le trajet est payé, c'est 1 semaine, et puis c'est très bien, j'ai pensé à toi. Donc moi, je dis, waouh. Donc j'étais payé pour y aller, pour travailler, pour revenir. Donc je dis, merci Seigneur pour ce travail. J'avais à peine raccroché que quelqu'un d'autre m'appelle pour me dire, tu sais, on m'a proposé de faire du babysitting, et en fait, j'ai pensé plutôt à toi, est-ce que tu ne voudrais pas faire du babysitting pendant l'année, tout ça. Oui, bien sûr. Et puis quelques jours après, quelqu'un d'autre m'appelle en me disant, un de vos camarades de classe donnait un soutien scolaire à ma fille, il s'en va, il m'a donné votre numéro. Est-ce que vous voulez bien continuer le soutien scolaire? Et en l'espace de 3 jours ou 4 jours, j'avais 3 propositions de travail qui me permettaient de payer les frais de scolarité du début d'année, et puis même après, pendant l'année, la nourriture, tout ça. C'était incroyable. Et là, j'ai vu que Dieu, il me disait, mais tu sais, je ne suis pas juste esprit et puis spirituel, ça. Ma vie pour toi est concrète, vraiment. Et ça, c'était vraiment, vraiment incroyable. Et là, ce qui est génial dans ma vie, ça va, vous allez voir après, c'est que comme j'ai rencontré le Seigneur, en lisant les évangiles, c'est mon curseur pour ma vie chrétienne. C'est-à-dire que, en fait, c'est l'évangile qui est un peu la température de ma vie chrétienne. Si je vis pas selon l'évangile, c'est que je suis pas chrétien. Et si je vis dans l'évangile, c'est que ça va à peu près. Et donc, là, pour moi, c'était de dire, ben, demandez, vous recevrez. Si le Père donne de la nourriture aux oiseaux du ciel, il va te donner
toi, occupe-toi du royaume de Dieu. Et puis du coup, j'ai continué comme ça mes études, j'ai été baptisé. Très vite après mon baptême, je connaissais pas du tout la communauté du Chemin Neuf, mais je rencontre quelqu'un de la communauté, et puis on me parle des sessions d'été. Et pour mon baptême, un ami fait une collecte, et puis on m'offre une session d'été avec la communauté. Et ça, c'était génial, parce qu'à nouveau, vous savez, quand on est jeune croyant, on peut aimer le Seigneur, tout ça, mais c'est pas toujours évident de se dire « Ok, je vais dépenser 200 euros, 300 euros pour l'été, pour faire un camp chrétien. » Parce que, en fait, les racines, elles sont quand même petites, et ça demande quand même, payer 300 euros pour une session d'été, c'est... Et là, le fait que quelqu'un d'autre dise « Mais tiens, pour ton anniversaire et pour ton baptême, on a pensé que ça pourrait être bien de t'offrir ça, et voilà une enveloppe, tout ça. » Pour moi, ça m'a ouvert le chemin. En fait, j'avais pas de questions à me poser. Et j'ai dit, génial, je vais enfin faire cette formation chrétienne. C'était une formation biblique et un festival de jeunes, tout ça. Et puis, au début, je voulais prendre un an. Puis, on m'avait dit, non, mais finis ton master de philosophie. J'étais en master, du coup, à ce moment-là. Finis tes études, tatatante. Sauf que pendant cette semaine de retraite, je me suis rendu compte que j'avais énormément reçu de Dieu. Je venais enfin d'être baptisé, après 2 ans de préparation. Et je dis, mais Seigneur, mais si je continue à recevoir sans donner, je vais être comme un enfant gâté ou un fruit gâté, c'est que je vais pourrir sur l'arbre. Je ne vais pas me donner et je vais moisir. Je ne veux pas être ni un enfant ni un fruit gâté, je veux te donner aussi. Et puis là, en priant avec Pierre qui marche sur les eaux, j'ai été frappé que, en fait, Pierre avait pris un risque pour suivre Jésus en marchant sur l'eau et qu'au moment où il avait échoué, entre guillemets, en fait, Jésus l'a remis sur la barque, il a calmé la tempête et les a amenés jusqu'au rivage. Et là, j'ai dit, Seigneur, je veux m'arrêter cette année. Et si jamais c'était pas le bon choix, si jamais c'était pas ça pour ma vie, tu vas arranger la tempête, tu vas me ramener sur le rivage de mes études, le rivage de la vie que tu veux pour moi. Et du coup, j'ai dit, je m'arrête un an. Et puis, j'ai donc, comme j'étais avec cette communauté, je me suis dit, pourquoi pas, comme tu dis, Chemin Neuf. Voilà, et puis je me suis retrouvé à faire un an de service avec la communauté à Lyon, dans un foyer d'étudiants, où je faisais pas grand chose d'autre que de la cuisine et de l'intendance, donc c'était pas, pour quelqu'un qui était plutôt intellectuel, ça changeait beaucoup. Voilà. Et c'est passé quelque chose de très important, c'est que, moi, toute ma vie, bien sûr, j'avais un seul désir. Et vraiment, j'exagère pas. Le désir de ma vie, premier, c'était de me marier. Et c'était de construire le couple parfait. Je sais pas pourquoi c'était pour moi un souci à la fois d'enfant puis d'adolescent, de me dire, mais c'est tellement important, des couples en bonne santé, c'est tellement important, des familles en bonne santé. Puis la littérature, vous savez, la poésie, tout ça, ça aide à construire un imaginaire. Donc moi, je me disais, voilà, c'était l'objectif de ma vie. Et en fait, mes choix de métier avaient toujours évolué en fonction de ça. Parce qu'au début, je voulais être journaliste reporter, mais je me disais, mais si je suis reporter, je vais partir trop longtemps de ma famille et de ma femme, et je vais pas les voir assez souvent. Du coup, je serai que journaliste à la télé. Comme ça, je rentrerai tous les soirs à la maison. Et en fait, la question de l'appel, c'était inaudible pour moi, parce qu'en fait, il y avait, vous savez, cette peur de la solitude. Et souvent, quand on est jeune garçon, on se dit, voilà, je ne pourrais jamais être prêtre parce que je vais être seul. Et moi, je me disais, je ne pourrais jamais être seul. Du coup, la question de l'appel, elle n'était pas pensable. Sauf qu'assez vite, je me rappelle une confession pendant cette retraite d'été. Un prêtre me dit comme ça à la fin, « Et Mustapha, est-ce que tu as déjà pensé à être prêtre ?» Et alors, il y a plein de gens qui m'avaient toujours dit « Tu veux pas être prêtre, tu veux pas être prêtre ?» Et comme je n'avais pas été baptisé, j'avais toujours dit « Bon, attends, je suis même pas baptisé, laisse-moi un peu faire les étapes. » Et puis, c'est pas parce qu'on aime Dieu, et c'est pas parce qu'on aime parler de Dieu qu'on est forcément appelé à être prêtre, hein, d'abord. Et c'est un peu mon excuse. Et puis, quand il me dit ça, je réagis tout de suite en disant « Non, c'est pas pour moi. » Puis en plus, tant que j'étais pas baptisé, je pouvais pas me... « Ah, je suis baptisé maintenant. » En fait, c'est quoi ? C'est peut-être la question maintenant. Et quand je suis arrivé dans la communauté du Chemin Neuf, vous connaissez peut-être un peu la communauté, c'est une communauté catholique qui a vocation œcuménique et qui travaille pour l'unité des chrétiens. Et pour moi, c'était très important parce que quand je suis devenu chrétien, c'était grâce à une amie protestante et puis aussi à travers la messe catholique. Et puis un jour, j'ai découvert que les chrétiens étaient... Et pour moi, c'était un scandale, vraiment. C'est qu'en fait, au début, j'ai dit à Dieu, mais je ne veux pas choisir, mais attends, mais moi, j'ai expérimenté ton amour en lisant ta parole, et je n'ai pas envie de choisir une église ou une autre, cette division, elle ne fait pas de sens pour moi, qui te rencontre aujourd'hui, en 2005, en 2006. Et puis, en fait, pour vous dire la vérité, ça, c'est comme la philosophie, je me suis dit, bon, mais tu as besoin
d'avoir un enracinement ecclésial, tu as besoin d'avoir un corps avec qui vivre ta foi chrétienne. Puis j'avais compris que, enfin, c'est comme quand j'étais petit, mon frère était ami avec l'enfant du pasteur du village. Et on avait déjà parlé avec ce pasteur. Et un jour, ce pasteur, j'avais 10 ans ou 12 ans, il m'avait expliqué, tu sais, vous, les... enfin, pas vous, l'anachronisme, tu sais, chez les catholiques, quand le pape dit quelque chose, ben, normalement, tous les chrétiens, les prêtres, ils pensent la même chose. Alors que chez les protestants, ben, tu vois, moi, je peux avoir tel point de vue dogmatique, alors que tel autre pasteur peut penser autre chose, tout ça. Donc j'avais à peu près compris qu'il y avait plusieurs églises protestantes en fonction des sensibilités ecclésiales, dogmatiques, tout ça. Et que dans l'église catholique, on était obligé de faire l'unité, on était obligé de suivre le pape, tout ça. Et en fait, moi, c'est ce qui m'a parlé. Je me suis dit, mais Seigneur, moi, devant ton amour, j'ai pas envie de trouver une petite église, une petite communauté où je suis bien content et ça se passe bien, et puis de pas m'intéresser aux autres. Moi, ce que j'ai envie, c'est d'être dans cette église catholique, ou même si je suis pas d'accord avec le pape parce que je le trouve trop rétro, ou même si je suis pas d'accord avec un tel ou un tel, en fait, c'est quand même mes frères et sœurs chrétiens, et il faut quand même qu'on soit frères et sœurs. Et du coup, un peu à cause de ça, j'ai choisi l'église catholique en me disant, ça va faire partie de moi de travailler pour, de vivre en tant que chrétien pour l'unité des chrétiens. Et puis la rencontre de Thésée m'avait confirmé là-dedans, en disant, mais oui, quand on est ensemble, protestants, évangéliques, orthodoxes, il y a quelque chose de l'évangile qui se vit. Et quand j'ai rencontré la communauté du chemin neuf, plus ou moins par hasard, en fait, je disais, mais tiens, ils travaillent pour l'unité des chrétiens. Et pour moi, ça réconcilie quelque chose, je me disais, c'est génial, c'est ma vie. Et puis après, je vois qu'il y a des familles et des célibataires ensemble. Et quand j'étais au grand séminaire, vous savez, ma question, c'était toujours de dire, mais ces séminaristes, mais ces prêtres, mais ils vont être tout seuls après dans leur diocèse. Ils vont, comment ils vont faire? Et puis là, je dis, mais en fait, on n'est pas obligé d'être tout seul pour être chrétien. On peut partager cette vie chrétienne ensemble. On peut, parce qu'en fait, on partageait la mission, on partageait la prière, on partageait de faire la cuisine. Et puis après, dans la maison où j'étais, les familles, elles avaient leur propre appartement, chacun avait sa chambre, mais il y avait une communion dans ce qu'on vivait dans la mission et dans la prière, et je me disais, c'est génial. Et là, en fait, ça m'a fait me souvenir d'une messe à la crypte de la cathédrale de Strasbourg, deux semaines, tout à fait banale, où j'avais entendu la lecture des Actes des Apôtres. Ils mettaient tout en commun, ils étaient assidus à la prière et à la fraction du pain. Et moi, en sortant de cette messe, je me rappelle, j'avais dit, mais Seigneur, mais je voudrais tellement vivre ça. En fait, les premiers chrétiens ont vécu ce partage, mais je voudrais tellement... Voilà, vivre tout, la prière, le partage, l'enseignement et la mission. Et bien là, je me rendais compte que c'était ce que j'étais en train de vivre. Dans ce petit foyer de la rue Henri IV à Lyon, on partageait les choses ensemble, simplement, la mission, la prière. Et puis moi, ce qui m'avait touché, c'est que j'étais un étudiant, j'étais pas de la communauté du chemin neuf, j'étais pas... Et la communauté me partageait son charisme et sa grâce. Ce que je partageais avec les frères de la communauté, j'étais dans la même maison. Et pour moi, c'était un cadeau. Je dis, mais tiens, cette communauté me donne quelque chose qu'elle a reçu de Dieu, alors qu'elle me doit rien, puis que je lui dois rien. Enfin, c'était beau. Et ça m'a donné du goût, ça m'a... Et puis, ça m'a ouvert à la question de l'appel, parce que je me dis, mais en fait, tiens, si jamais je vivais dans une vie communautaire, ben en fait, je ne serais pas tout seul. Mais du coup, peut-être que je pourrais finalement être prêtre. Et là, la question a commencé à venir. Et puis surtout que j'avais envie d'annoncer le Seigneur. Je sentais que dans le foyer d'étudiants, quand je parlais aux jeunes, quand je parlais, j'aimais parler de Dieu. J'aimais parler de cet amour de Jésus qui changeait les vies. Et ça, pour moi, c'était... Mais Seigneur, est-ce que tu ne veux pas faire quelque chose de ça dans ma vie? Est-ce que... Et du coup, ça m'a interpellé. Puis la communauté du chemin neuf propose une formation biblique, théologique et de discernement dans une abbaye en Savoie, à l'abbaye d'Hautecombe. Puis moi, je disais, mais je voulais faire l'agrégation de philosophie quand même, je voulais préparer, être prof, parce que du coup, après, je voulais être prof de philo, ça avait changé. Je vais m'arrêter encore un an, mais tout ce que j'ai fait en prépa, je vais l'oublier. Puis je me disais, mais c'est trop important. C'est parce que finalement, Seigneur, quand tu m'auras montré ce pourquoi je suis fait, après, je pourrai y aller vraiment. Du coup, j'ai décidé de prendre encore une année pour discerner jusqu'au bout, parce que je sentais que finalement, ça valait le coup de laisser le Seigneur me dire ce pourquoi j'étais fait, parce qu'après, je pourrais vraiment tout donner et m'enraciner. Et du coup, j'ai fait cette année de discernement. Alors, il faut que je fasse attention au temps. Combien de temps j'ai en tout? Parce que moi, je... Okay. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant. Je vous dis que c'est à peu près par hasard que j'avais rencontré la communauté.
Mais c'est jamais vraiment du hasard. En fait, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est parce que la fille dont j'étais très 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 amoureux en prépa, et qui était pour moi la femme de ma vie, me dit un jour que... Donc on n'était pas ensemble, mais je l'aimais beaucoup, et elle le savait. Elle me dit, moi je vais partir pendant un an faire de l'humanitaire. Ok, très bien. Avec la comédie du chemin neuf. Ok, très bien. Ok, c'est qui le chemin neuf? Et puis... Elle n'était pas du tout charismatique ou communauté nouvelle, tout ça. Et du coup, ça m'a interpellé. Je me suis dit, mais tiens, c'est pas son milieu habituel. Donc, c'est qui cette communauté et tout ça? Puis donc, elle est partie avec la communauté. Elle m'avait envoyé quelques lettres pour me raconter ce qu'elle vivait. Ça m'avait vraiment rejoint. Puis le Seigneur m'avait rejoint par cette communauté du chemin neuf quelques fois. Mais c'est pas là où je veux venir. C'est qu'elle est partie à l'étranger pendant que moi, je rencontre la communauté de mon côté. Et quand je me retrouve à l'abbaye d'Hautecombe pour discerner si j'ai un appel au célibat ou pas, et ben cette fille se retrouve à l'abbaye d'Hautecombe pour faire un an de service avec la communauté. Cool. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Et en fait, c'était génial. Pour moi, c'était un cadeau de Dieu, vraiment. Parce que Dieu me disait, mais Mustapha, je veux pas que tu décides du célibat ou du mariage comme ça, dans le vide ou dans l'air. L'amour, c'est concret. Et en fait, tu vas choisir concrètement si tu veux être prêtre ou si tu veux te marier, avec devant toi celle que tu considères comme être la femme de ta vie, la fille la plus belle du monde et tout ça, ou avec moi dans la mission, tout ça. Et pour moi, c'était un cadeau de Dieu qui me donnait une sorte de grâce de discernement sur pièce, vous savez, et pas... Je disais, waouh, c'est génial, en fait. Dieu mérite d'être dans des rêves, vous savez, le rêve, ça n'aide pas toujours à discerner. Là, moi, c'était clair, quoi. Si j'avais des questions, je pouvais soit voir le Seigneur, soit voir cette fille. C'était vraiment très bien. Et puis quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans le discernement, c'est d'aimer cette fille. C'est qu'en fait, j'aimais tellement cette fille que je la respectais, et je savais qu'elle aussi avait des questions d'appel, qu'elle aimait le Seigneur. Et en fait, ma question, c'était pas de vouloir sortir avec elle ou de vouloir être... Moi, ma question, c'était, si c'est la femme de ma vie, eh ben, ça prendra le temps qu'il faudra. Ben, si c'est pas la femme de ma vie, eh ben, ça sera pas elle. Mais il faut pas brûler les étapes ou je sais pas quoi. Du coup, il y avait quelque chose aussi de paisible dans l'attente, de dire, oh, ben, on ira bien, tout ça. Puis du coup, d'habiter avec cette fille, quand même, je voyais bien que, en fait, je l'aimais vraiment beaucoup, mais que concrètement, il y avait quelque chose d'une complicité ou de, je sais pas, qui était pas, ouais, je sais pas comment dire. Je l'aimais beaucoup, mais un jour, je suis allé la voir, et je lui ai dit, tu sais, elle m'avait jamais dit non, en fait. Et moi, j'ai du coup toujours espéré qu'elle me dise oui. Et un jour, je me suis rendu compte que j'avais fait en moi une espèce de dilemme. J'ai dit, si elle me dit oui, je me marie, et si elle me dit non, je me pose la question d'être prêtre. Et en fait, quand même, comme la communauté du chemin neuf est une communauté ignatienne avec le discernement et tout ça, j'ai vraiment appris les règles du discernement. Et en fait, j'ai compris que la question était mal posée et qu'en fait, on ne peut pas poser son appel à cause de quelqu'un, mais à cause du Seigneur. Du coup, j'ai compris que la question, c'était pas ou elle ou le Seigneur, mais c'était le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut pour moi? Et en remettant la question, ça m'a ouvert le champ. Et en fait, j'ai senti que c'était pas ajusté d'attendre la réponse, parce que ou je choisissais ou je choisissais pas. Donc, je suis allé la voir et je lui ai dit, ok, il faut au moins que tu me dises non, parce qu'avec tout le temps, t'as eu le temps de choisir, non. Et puis moi, c'était un moment qui était à la fois très beau et très difficile, où elle m'a dit non, j'avais besoin qu'elle me le dise, en fait, pas que même si je pense qu'elle avait besoin d'hésiter, je sais pas, c'est son histoire à elle, là. Et en fait, après, j'ai pu faire les 30 jours en silence de Saint-Ignace, l'exercice spirituel, où très vite, je pensais que Dieu allait m'appeler à être prêtre. Je pensais que ça allait être évident. Et puis en fait, c'était prêtre. Ah, mais le mariage, ça a l'air trop sympa. Mariage, ah, mais prêtre, ça a l'air trop sympa. Et puis comme ça, j'ai fait des allers-retours. Mais en fait, dans ces allers-retours, pendant la retraite, Dieu purifiait mon image du mariage et purifiait mon image du sacerdoce. Ça veut dire qu'en fait, j'avais des a priori pour l'un et l'autre, c'est-à-dire, mais est-ce qu'en fait, je vais plus servir Dieu si je suis prêtre, parce qu'en fait, dans le couple, on peut pas autant servir Dieu. Eh ben non, c'est pas vrai. Dieu peut faire que tu portes autant de fruits quand t'es marié que quand t'es prêtre ou célibataire consacré. Et voilà, comme ça, le Seigneur guérissait un peu, purifiait des images que j'avais des deux. Et puis, je me retrouve presque à la fin des 30 jours en n'ayant finalement toujours pas décidé. Et puis, il se passe quelque chose d'assez important, c'est qu'à un moment, en priant, je vois un grand bâtiment avec que des pierres, vraiment, des grosses pierres un peu, une maison forte. Et puis, je réalise que ma vie, c'est pas de penser ma vie comme trouver ma vocation, comme si ça allait être la clé de solution et tout ça. Je me dis, mais ma vie chrétienne va être une vie chrétienne au milieu d'autres vies chrétiennes, au milieu d'autres personnes. Et il faut que j'accueille aussi une certaine humilité de ma vie. C'est comme ça que je dis aujourd'hui. Et en fait, du coup, je me suis dit, j'ai pas besoin forcément d'être le vitrail de l'église. Je peux être simplement une pierre parmi d'autres.
Et ça, bizarrement, c'est ce qui m'a aidé à choisir le célibat. Parce que je me suis dit, mais oui, en fait, je peux être juste un frère consacré parmi d'autres. Je peux être juste un prêtre consacré parmi d'autres. L'Église en a besoin parce qu'il faut bien cette pierre-là pour faire tenir tout l'édifice. Et c'est pas que cette pierre-là qui fait tenir tout l'édifice. En fait, c'est une sorte d'envisager ma vie dans l'humilité. Ça m'avait aidé parce qu'avant, quand je pensais être prêtre, je me disais, oh, quand je serais prêtre, il faudrait que je fasse des super homélies, tout ça, et là, il faudra super bien parler tout le temps. Et du coup, c'était toujours d'une sorte de projection, vous savez, d'exposition. Et là, le Seigneur me disait, mais si je t'appelle, j'ai besoin que ce soit d'abord dans un cœur à cœur. Et ça, ça m'a aidé. Et puis, un autre élément qui était très important, c'est le texte du jeune homme riche. En fait, je me suis rendu compte, vous savez, le jeune homme riche, Jésus lui dit, tu as tout reçu. Il te manque qu'une seule chose. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Et donc, moi, en fait, je vous ai dit que j'avais toujours été heureux. Et en fait, j'ai fait cette expérience. J'ai réalisé, en pensant à cette fille que j'avais beaucoup aimée, en pensant à ma vie, je me suis dit, mais j'ai tout reçu, en fait. Je suis heureux, j'ai fait des belles études, j'ai rencontré le Seigneur. Et en fait, j'ai senti, intérieurement, que je n'avais pas besoin de multiplier les expériences. En fait, je me suis dit, mais j'ai pas besoin d'avoir une petite copine, puis une autre petite copine pour savoir c'est quoi d'avoir une petite copine. J'ai pas besoin de faire un travail ou deux travails pour savoir c'est quoi la vie professionnelle. En fait, j'ai tout reçu dans ma vie. C'est de savoir que je suis aimé, que Dieu me bénit et qu'il veut m'accompagner. Et en fait, Seigneur, il me manque une seule chose, c'est de tout te donner. Et ça, ça a débloqué le truc. J'ai dit, ben, Seigneur, je veux essayer le célibat. Et puis, il y a un avantage quand même, je vous le partage, je pense que parmi nous, la plupart sont mariés, hein. Mais je me dis, il y a un avantage quand même avec le célibat, c'est que je savais que je pouvais m'engager au célibat pendant 3 ans, puis pour 6 ans même, d'avoir le temps de discerner, et si jamais c'était pas ça, pour une raison ou une autre, eh ben, j'allais reprendre ma vie, et puis c'était pas... Je me suis dit quand même, quand on se marie et puis qu'on vit une rupture de fiançailles ou de mariage, c'est quand même... Il y a des conséquences, quoi, il faut se relever après ça. Donc je me suis dit... Et ça va. c'est un chemin à la suite du Christ qui me... Et du coup, j'ai choisi ce chemin et c'était pas « Ouais, génial, Dieu, tu m'appelles à être prêtre et c'est super, tout ça. » C'était une racine. Et j'ai vraiment dit « Seigneur, mon appel, c'est une racine. » Je suis content. C'est pas de l'exultation. Pourtant, d'habitude, je suis plutôt très dans l'expression et tout ça. Et puis là, c'était quelque chose d'humble, de simple. Mon appel est une racine et puis « Seigneur, on verra bien. » Et j'ai dit ça à mon accompagnateur, je dis, cet appel au célibat, c'est une racine, donc voilà, on va voir ce que Dieu va faire. Et puis, quand on fait les exercices, Saint Ignace, il dit toujours, on fait élection avec un discernement de la parole de Dieu, un accompagnement, tout ça. Et puis, il y a toujours aussi des confirmations qui viennent plus tard. Et du coup, dans la retraite, on nous invite à avoir des confirmations. Et moi, je me retrouve à la messe qui suit, ou le lendemain, à dire, ben, Seigneur, donne-moi une confirmation de cet appel qui, pour l'instant, n'est qu'une racine. Et puis là... c'est l'avantage des communautés charismatiques, c'est qu'il y a des images et tout ça, et des paroles. Et il y a quelqu'un qui, après la communion, donne une image, il dit c'est l'image d'une vigne qui, avant de pousser en hauteur, plonge ses racines très profondément, et puis ses racines, elles creusent la terre et le calcaire et tout ça, et ses racines, elles font 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres de profondeur, et après, elles commencent à faire grandir ses branches et à porter du fruit. Et ses racines, la personne ajoutée, c'est la prière, c'est la vie, c'est l'histoire de l'Église, et c'est... Et là, pour moi, c'est le Seigneur qui me disait, bah oui, c'est ça. En fait, c'est une racine, mais c'est important, et elle va grandir, cette racine, et cette vigne, elle va porter du fruit, mais plus tard. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est que le Seigneur, après, il m'a fait grandir avec lui, il a fait grandir ses racines, à la fois au niveau intellectuel et théologique, et puis aussi au niveau spirituel, et puis dans la vie communautaire. La grâce de la vie religieuse et communautaire, c'est qu'on grandit beaucoup avec d'autres qui sont différents, qui nous apprennent. Voilà. Et donc, j'ai fait élection pour le célibat. En vue de la prêtrise dans la communauté du chemin neuf, et c'était vraiment génial. Ça, c'est vraiment génial. Voilà. Ça, c'est un peu la deuxième grande étape de ma vie, c'est de faire élection pour ma vie. Et c'est vrai que c'était une des questions pendant ma retraite, c'était de me dire oh, déjà que pour mes parents, je suis devenu chrétien, que en plus, j'arrête mes études. Ça allait très bien, hein, mais j'arrête mes études qui se passaient bien. Pour faire la cuisine et l'intendance dans une communauté religieuse, ça, je pense que même des parents chrétiens trouveraient ça un peu difficile pour leurs parents. Et en plus, je me pose la question d'être prêtre,
Et en fait, j'ai eu la tentation de me dire, mais Mustapha, t'en as déjà trop fait en étant chrétien, est-ce que tu veux pas, au moins pour tes parents, te marier, et puis faire des petits-enfants, et puis ils seront très contents, et puis tu ménages la chèvre fou. Bon, heureusement, le Seigneur, c'est ce qu'il fait, et m'a fait comprendre que c'est pas comme ça qu'on discerne, et que, même si j'aime beaucoup mes parents, et mes parents m'ont très bien éduqué, et vraiment, je sais qu'ils ont beaucoup d'amour pour moi, même mon papa, ils m'aiment beaucoup, et il faut pas juste se faire avoir un chantage affectif ou tout ça. Donc j'ai dit, mais Seigneur, c'est vrai que c'est pour toi que je donne ma vie, et c'est toi qui m'as tout donné. Donc j'ai dit, bah c'est pas grave, on en rajoute une couche, et je te suis. Et puis en fait, je vous avoue que c'est important. Je me suis dit, avec ce que j'ai vécu et avec la séparation de ma famille, je veux prendre au sérieux ton appel, Seigneur. Et je veux pas prendre le risque d'une vie chrétienne qui soit tiède ou qui soit simplement dominicale. Et je le dis comme ça, vraiment. Si mon père m'a renié, Seigneur, et bien en fait, il faut que ma vie, pour toi, elle soit pour tous les jours. Et pas une fois de temps en temps. Et du coup, je crois que ça m'a aidé à continuer dans cette radicalité et de dire, en fait, je veux vivre l'évangile tous les jours, Seigneur. Vraiment. Et donc du coup, voilà, je m'engage au célibat. Bon, je pense que mes parents, ils apprennent, mais sans comprendre tellement ce que ça veut dire. Je termine mon master de philosophie à Paris. Et là, je décide de faire un master sur le rapport entre foi et raison, mais dans l'islam. En me disant, bah, tiens, chez les chrétiens, c'est évident, mais dans l'islam, qu'est-ce qu'il en est? Puis je travaille cette question. Ça allait être important pour moi après. Puis je me retrouve à Reims à m'occuper d'un foyer d'étudiants. Et puis là, je me rends compte que ça fait 5 ans qui se sont passés où j'étais pas en contact avec mes parents, où j'avais plus de coups de téléphone, tout ça. Et là, je me réveille un peu. Je crois que c'était important. Le Seigneur m'a un peu appelé au désert. En fait, il fallait que j'écoute mon appel, que le Seigneur voilà, m'amène près de lui. Et puis là, maintenant que j'avais discerné mon appel, j'avais fini mes études, j'avais passé mon permis de conduire, je me dis, bah, maintenant, Seigneur, ça fait 5 ans qu'on ne s'est pas parlé avec papa. Ça peut encore durer 5 ans. Ça peut encore durer 10 ans. Et je vous ai dit que je me suis converti en lisant les évangiles. Et là, je dis, mais Seigneur, je crois que ce qu'il y a dans l'évangile, c'est vrai. Et je crois que ces miracles dans l'évangile, c'est encore vrai aujourd'hui. Eh bien, je te demande, Seigneur, dans le nom de Jésus, la réconciliation avec papa. J'ai demandé aussi simplement que ça, mais dans la foi, la réconciliation avec papa. Et là, j'ai senti dans mon cœur que suite à cette prière, je devais m'amender aussi. C'est que, en fait, c'est pas moi qui avais choisi la rupture avec mes parents, c'est pas, mais qu'il y avait une part de la blessure dont j'étais responsable. Pas dont j'étais forcément fautif, mais dont j'étais responsable. Et en fait, je me suis confessé en demandant pardon au Seigneur de tout ce que j'avais pas fait pour mes parents. Pendant ce temps-là, peut-être pour une carte postale que j'aurais pu envoyer, que j'ai pas fait. Peut-être pour un coup de téléphone qui aurait été difficile, mais que j'ai pas fait. Pour une certaine négligence que j'aurais pu avoir. Et puis j'ai écrit une lettre à mon papa pour lui dire « Je te demande pardon parce que je sais que c'est pas facile. » Et ce chemin, je l'ai choisi parce que ça m'est tombé dessus. J'ai pas fait exprès de devenir chrétien. Mais je sais que ça t'a fait souffrir, donc voilà, je te demande pardon. Mais je te dis la vérité. Aujourd'hui, je suis célibataire consacré en vue d'être prêtre dans une communauté catholique. Je racontais plein de choses sur la communauté pour être dans la transparence. Et la division, c'est pas quelque chose du Seigneur. C'est toujours quelque chose du malin. Et ça, je sais que mon papa, il le comprend très bien quand je lui parle, parce que dans la mentalité musulmane, on voit bien le diable. Donc il dit, bah, c'est quelque chose du diable, la division. Et Dieu veut pour nous l'unité. Et puis j'envoie cette lettre. Et puis une semaine après, je reçois un coup de téléphone de la maison, alors que la maison ne m'avait pas appelé depuis des années. Et là, du coup, je décroche et c'est ma maman qui me dit « Est-ce que tu es à Reims ?» Je dis « Oui ». Elle dit « Ben, viens te voir ce week-end. » Et là, je vous avoue que j'ai eu peur au début, parce que mon papa, un jour, il m'avait dit « Moi, mon rôle en tant que père musulman, c'est de faire tout ce qui est possible pour que mes enfants soient musulmans. » Et là, je me dis « Mince, je lui ai dit que j'étais religieux en vue de la prêtrise, peut-être qu'il va tenter les grands moyens. » Puis en fait, ils sont arrivés à Reims, et au début, papa ne voulait pas me parler, puis on se dit bonjour, puis en fait, il ne voulait pas rester, mais on commence à discuter, et puis je lui dis que j'ai fait un travail sur l'islam, sur la théologie musulmane, sur la philosophie musulmane, et là, mon papa, il voit mon travail, et en fait, il dit, mais maintenant, tu sais plus de choses que moi sur l'islam. En fait, c'était assez fou, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé, où, même en étant chrétien, le Seigneur a unifié ma vie. Et en fait, je me suis formé sur l'islam d'une manière qui n'était pas juste traditionnelle, mais théologique et philosophique. Et là, il me dit, mais c'est toi qui devrais m'enseigner maintenant. Et puis, ils acceptent de manger à la maison, puis on se promène ensemble à Reims. Et moi, je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Alors vraiment, je vous avoue que entre mon papa qui ne veut pas me dire bonjour, et puis finalement, on commence à faire du shopping ensemble.
Et puis, avant de partir, mon papa commence à discuter avec des personnes de la communauté en parlant tout simplement de leurs petits bobos, machin, tout ça. Et je me dis, mais Seigneur, mon papa est en train de parler avec des gens de la communauté. Tu es en train de refaire le lien. Et c'est vraiment beau, il s'est passé quelque chose. À la fin, mes parents m'ont dit, reviens à la maison. Alors, c'est génial parce que le chantage affectif ne finit jamais. Mais ils m'ont dit, reviens à la maison, quitte cette maison, la communauté, tout ça. Et puis, nous, on s'occupe de toi, on te donne un toit le temps que tu trouves un appartement, puis tu fais de la philosophie, et puis tout ça. Et donc, bien sûr, j'ai compris que c'était pas mon appel. Mais ils m'ont ouvert la porte quand même, et j'ai pu retourner à la maison. Et puis, je suis retourné une fois où mes parents m'ont d'abord coranisé. C'est-à-dire que j'ai entendu parler du Coran pendant 2 jours non-stop. Un oncle est venu exprès de Besançon pour me coraniser aussi, ça. Et j'ai laissé faire. C'était trop précieux d'avoir ce temps avec mes parents pour rentrer dans un débat. Et puis, vous savez, Saint Ignace apprend une chose très précieuse, c'est sauver la proposition de l'autre. Et du coup, je me dis, je vais sauver la proposition, c'est-à-dire voir tout simplement ce que me disent mes parents est bon, est valable, est juste. Et du coup, j'ai décidé de les écouter tout simplement. Pardon. Excusez-moi. Je commence à perdre ma voix. Alors, c'était pas sans conséquence parce que j'avais jamais eu de crise de foi jusque-là, pendant 7 ans, 8 ans, je sais pas combien, depuis ma conversion. Tout allait très bien. Mais là, en rentrant de chez mes parents, j'ai vécu une énorme crise de foi. Parce qu'en fait, j'avais voulu sauver moi-même le conflit séculaire entre l'islam et le christianisme en disant comment ça se fait que Dieu est à la fois Trinité, qu'il y a un prophète qui s'appelle Mahomet, et puis tout ça. J'avais voulu résoudre ça en moi. Et c'était pas possible. Donc ça m'a fait un peu vivre une sorte de désert spirituel, mais qui était très bon. C'est que j'ai réalisé ça. J'ai réalisé que le rôle de ma vie en tant que musulman converti, c'était pas de donner la réponse de pourquoi il y a plein de religions dans le monde et de tout ça. C'était sans doute d'y travailler, c'était sans doute de faire l'unité, mais pas de faire la réponse théologique en moi. C'est-à-dire d'inventer une sorte de nouvelle religion où tout le monde serait d'accord. Et puis, mais c'était très important parce que j'avais accueilli ce que mes parents avaient à me donner et j'ai compris quelque chose d'extérieur à ma propre vie. Et puis l'année d'après, j'y suis retourné et puis là, on a un peu plus discuté. Et justement, grâce à cette crise de foi que j'avais vécue, j'ai pu dire tout simplement à mon papa, « Mais papa, mais comment tu expliques ? Ok, d'accord, je me trompe en tant que chrétien, mais comment tu expliques que même si l'islam est la dernière religion révélée, censée accomplir toutes les révélations, et bien qu'en fait, ça n'a pas changé la face de la Terre, parce qu'il y a quand même des juifs, des chrétiens, des musulmans, des athées, des bouddhistes, des hindouistes, des shintoïstes, et que du coup, on a beau avoir le dernier livre révélé de Dieu, ben en fait, c'est toujours la même chose. » En fait, c'est un peu un constat du réel qui était pour dire, sortons chacun de croire que ma religion est la meilleure parce que ceci ou parce que cela. Et en fait, ça avait été important parce que on était encore sur le registre des religions, vous savez. Pas notre registre personnel, mais des religions. Et l'année d'après, il faut 2 ans après, quand je suis revenu à la maison, là, on est enfin rentré sur le registre personnel. Et c'était au fond le plus important parce que c'était là où je pouvais échanger avec papa. Parce que, en ayant fait des études de philosophie, en ayant étudié la théologie, on jouait pas à jeu égal. C'est que moi, je pouvais toujours trouver des versets du Coran, de la Bible, et puis des citations philosophiques pour expliquer ceci ou cela, et je voulais pas. C'était pas juste devant mon papa. Mais là, cette 3e fois où je rentrais, papa me dit, mais pourquoi t'es devenu chrétien? Mais pourquoi tu crois? Et il a sorti un Nouveau Testament, français-arabe, qu'il avait reçu il y a 20 ans. Et en fait, il a dit, ben, montre-moi dans l'évangile où Jésus dit qu'il est fils de Dieu, où Jésus dit que... Il m'a mis un... Et là, du coup, très simplement, j'ai ouvert quelques passages dans Saint Jean, où Jésus montre comment il se présente comme le chemin, la vérité, la vie, comment il se présente comme amour de Dieu, fait homme pour se révéler, tout ça. Et puis comment, en fait, Dieu donne son amour, mais pas en disant « Tadam, je suis Dieu, je suis fils de Dieu, et puis croyez en moi », mais qu'au contraire, c'est... Et puis je lui explique que moi, ce qui s'est passé dans ma vie, c'est cette rencontre avec Dieu. Et ça, c'était très beau parce que j'ai pu témoigner, en fait. Et pour moi, c'était important, pas de résoudre le conflit islamo-chrétien, mais que papa comprenne que c'était une rencontre personnelle qui s'était passée dans ma vie.
Et puis, il s'est passé autre chose, c'est que je lui ai témoigné simplement ce que j'avais vécu dans un week-end. C'est que je lui ai dit, mais papa, tu sais, Dieu, il est vivant dans ma vie. Le Dieu des chrétiens est un Dieu vivant, l'Esprit Saint parle, et il nous parle encore aujourd'hui. Et c'est pas simplement avec un texte il y a 2000 ans, avec un texte il y a 600 ans. Et je lui dis, et j'ai donné quelques exemples de prophéties qui avaient lieu, d'images que Dieu avait données par moi, qui avaient rejoint. Et là, en fait, j'ai senti que ça l'a touché, que ça l'a rejoint. Parce qu'on n'était plus du tout dans le domaine intellectuel, où on peut répondre un concept contre un concept, une idée contre une idée. C'était, mais papa, voilà ce que Dieu a fait dans la vie de telle personne, dans ma vie, tout ça. Et là, j'ai senti que ça remettait la place à Dieu. C'est-à-dire que c'était un argument d'autorité, mais d'autorité de Dieu, et pas de mon autorité ou d'autorité de mon papa. Et puis, du coup, à partir de là, j'ai continué mon cheminement, j'ai commencé la théologie, à me former. Avec mes frères et sœurs, c'était plus distant. C'est-à-dire que dans la famille, on s'appelait pas souvent, pas beaucoup de nouvelles. Avec maman, on se parlait un peu plus. Je crois que c'est ma maman qui un jour a dit à mon papa, écoute, peut-être que toi, t'as pas envie de parler à ton fils, mais moi, c'est toujours mon fils, donc on a le droit de le voir. Et je crois que c'est ça qui a aidé mon papa à s'ouvrir un peu. Et puis, je vais terminer par une dernière étape. C'est du coup, je termine mes études de théologie et puis je m'apprête à être ordonné prêtre. Et là, je me dis, il faut quand même que je le dise à mes parents. Donc, avant d'être ordonné diacre, donc il y a 2 ans par Monseigneur Roland, je retourne à la maison. Et là, j'annonce à mon papa. Je lui dis, en fait, tu sais, je vais m'engager à vie au célibat, vraiment. Et je vais être ordonné diacre parce que je vais être prêtre l'année prochaine. Et là, c'était pas facile parce que je me rappelle, je suis allé avec mon parrain qui est prêtre. Il n'avait pas le col romain, mais et papa, il a parlé avec mon parrain qui est chrétien. Il a discuté avec lui, on a mangé ensemble, mais il m'a pas regardé. Il n'a pas voulu m'adresser la parole. Et après, quand mon parrain est parti, il a un peu parlé avec moi, mais il m'a dit, mais en fait, moi, j'attendais quand même qu'une seule chose, c'était que tu redeviennes musulman. Et si tu me dis que tu t'engages à vie pour être chrétien, et ben ça veut dire que tu t'es plus mon fils. Mais en fait, à la manière dont il a répété plein de fois, si t'es chrétien, t'es plus mon fils, t'es chrétien, t'es plus mon fils. Puis je dis d'accord. Puis, c'était bon parce que je comprenais qu'en fait, il voulait pas s'arrêter à là. Qu'en fait, il voulait me faire changer. Et du coup, il voulait que je sois encore son fils, mais juste que je change. Et ça, c'était très beau. Parce que je comprenais qu'il était pas en train de témoigner qu'il m'aimait pas, mais qu'au contraire, qu'il m'aimait beaucoup. Et là, c'est passé quelque chose de très beau. C'est que donc j'étais là avec mon papa, et puis dès qu'il parlait et que je parlais, il reparlait et je reparlais, et du coup, c'était un match de tennis. Et à un moment donné, j'entends une voix dans ma tête qui me dit « Tais-toi ». Et donc là, papa me parle, et je me tais. Je réponds pas. Et du coup, papa, il est obligé d'aller un peu plus loin dans son argumentation. Il est obligé d'aller un peu plus loin, de s'engager lui-même dans cette question de la foi, du salut, et puis de nommer sa peur de la damnation, de nommer sa peur que, mais en fait, si moi je suis chrétien, que lui il m'accepte, que tout ça, et ben en fait, il va aller en enfer, il va pas être accepté, il va. Et du coup, ça sort. Et là, il y a autre chose qui se passe en moi de beaucoup plus effrayant, c'est que je me rends compte que c'est maintenant le moment de donner une parole chrétienne à mon papa. Et jusque-là, j'avais toujours été très respectueux parce que je voulais pas m'imposer, je voulais lui laisser cette place de papa. Vous savez un peu, c'est mon papa en fait, c'est lui qui m'a éduqué, qui m'a fait grandir, il m'a donné tellement de bonnes choses. Et je sentais que c'était important de ne pas briser ce rôle qu'il avait, malgré cette différence. Et du coup, je n'ai jamais de front donné une parole d'évangélisation, parce qu'il fallait attendre le moment. Et puis là, j'ai senti en moi quelque chose qui me disait, bah, Mustapha, tu m'as annoncé à beaucoup de gens, non, tiens, tout ça, maintenant c'est le moment de parler de moi à ton papa. Oh là là. Et là, j'ai simplement dit à mon papa, j'ai dit, papa, peut-être qu'à la fin des temps, au jour du jugement, effectivement, ce sera Mohammed qui était le prophète, et je me serai trompé, et je mériterai la damnation, et peut-être que tu seras puni parce que tu m'auras mal élevé. Mais peut-être qu'à la fin des temps, c'est Jésus qui va t'accueillir, et c'est Jésus qui va te prendre dans ses bras, et te dire bienvenue, et te dire merci. Et en fait, tu comprendras que Dieu t'aime. Et je te dis, je sais plus exactement ce que j'ai dit. Et j'ai osé, en fait, lui dire ça. Et en fait, c'était très beau parce que je pense que c'était la parole peut-être la plus blasphématoire que j'aurais pu lui dire pour lui. Mais en fait, c'est aussi le moment où je me suis affirmé en disant, mais cette parole de Jésus dans ma vie, elle est solide. Et vous savez, pour les musulmans,
souvent, nous n'osons pas trop leur parler parce qu'on dit qu'ils croient déjà en Dieu, il ne faut pas trop leur parler, tout ça. Mais l'islam, c'est une religion qui est très virile. Et en fait, même quand on est un enfant de 8 ans musulman, on va affirmer des choses parce qu'en fait, on l'a simplement entendu. Et voilà, on va le dire et bim, c'est comme ça. L'islam est une religion qui est solide et virile par essence, par nature. Et en fait, un musulman, si vous voulez lui parler de Dieu, ce dont il aura besoin, c'est que vous lui présentiez une foi, un Dieu qui est aussi solide que celui qu'il croit avoir. Parce que si vous lui dites, quitte ta maison solide, quitte tes sécurités qui ont l'air solides pour une petite cabane de paille, ben bien sûr qu'il ne va pas prendre le risque de changer. Parce qu'il va dire, mais attends, tu n'as pas l'air sûr de ta foi, tu n'oses même pas me parler de ton Dieu d'amour, et tu voudrais que moi je quitte ma famille, que je quitte ma culture, que je quitte... Vous voyez, le risque à prendre pour quelque chose qui n'est pas sûr, c'est... Donc les musulmans ont besoin d'entendre, pas forcément le premier jour, mais à un moment donné, qu'en fait, c'est solide, ce Dieu d'amour. C'est solide, un Dieu qui donne sa vie pour nous. Parce qu'en fait, c'est ça qui fait qu'on peut se dire, bah, ok, peut-être que je vais être séparé de mes parents, de ma famille, que je serai incompris de mes collègues de travail, mais en fait, ce Dieu d'amour, il est solide. Donc moi, j'ai donné cette parole à mon papa, puis j'ai senti qu'il fallait que je parte. Je n'avais pas de choses à faire, et puis je suis parti. Voilà. Et puis, donc, j'ai fait mon année, j'ai été ordonné prêtre en juin. Voilà, encore deux minutes. Et puis, j'étais ordonné prêtre en juin, c'était beau parce que c'est Monseigneur Tessier, qui est évêque émérite d'Alger, qui a célébré les ordinations. Et donc, il y avait quelque chose d'assez fort parce que c'était l'unité entre l'Algérie et mon histoire. Donc, je sentais que Dieu me disait, mais t'es pas juste un extraterrestre. En fait, tu fais partie de ce que j'ai choisi pour servir mon Église, vraiment. Puis l'autre point génial, c'est que c'était le jour de la Jean-Baptiste. Donc j'étais baptisé le 24 juin, j'étais ordonné le 24 juin. Et en fait, Jean-Baptiste a été très important pour moi quand j'ai commencé à lire les évangiles, parce que cette figure chrétienne et non chrétienne m'avait interpellé. En fait, cet homme qui crie dans le désert, préparez le chemin de Dieu, quelque chose de grand arrive. Moi, ça m'avait interpellé parce qu'il n'était pas encore en train de dire Jésus. Alors après, il dit, voici l'agneau de Dieu. Mais il déploie ses poumons pour dire préparez, en fait. Préparez-vous à quelque chose. Et moi, ça, je crois que ça fait partie de ma vie, de dire, eh ben voilà, en fait, je veux préparer ce chemin de Dieu, même si c'est pas toujours devant les gens, mais c'est pas toujours en nommant le Christ, parce que les gens sont pas prêts, mais de dire préparer les chemins du Seigneur. Et d'être ordonné le 24 juin avec un évêque émérite d'Alger, tout ça, je me suis dit, waouh, ok, mon ministère, il faut qu'il soit comme ça. Il faut qu'il soit de feu. Et puis, je termine avec l'été, parce que j'ai vécu quelque chose de très important. Je vous ai dit que mon christianomètre, c'était l'évangile. Et pour moi, c'est très important de vivre ma vie avec Jésus, d'être disciple de Jésus comme dans l'évangile. Et quelque chose qui me parle vraiment beaucoup, en tant que chrétien tout simplement, mais bien sûr en faisant partie d'une communauté comme celle du Chemin Neuf, c'est de vivre la vie dans l'esprit et de vivre cette vie de puissance de Dieu, qui n'est pas mes propres paroles, mais la vie de Dieu. Et j'avais vraiment cette soif depuis des années, mais encore plus pendant cette dernière année diaconale, où j'ai supplié le Seigneur de se manifester avec puissance dans ma vie. Et là, je lui dis, mais Seigneur, vous savez, quand on s'engage au célibat, on ne s'engage pas au célibat. On s'engage au célibat pour le royaume. Et c'est très important. Moi, c'était une révélation pour moi de me dire, waouh, mais en fait, quand on se marie avec quelqu'un, et puis quand on s'engage au célibat pour le royaume. Et moi, maintenant, ma vie, elle est donnée pour le royaume, elle va se recevoir de ce royaume. Et ben, Seigneur, en fait, tout comme des mariés, en fait, ils ont le droit d'exiger l'un de l'autre une belle vie de couple, et ben moi, je veux vivre du royaume, tout simplement. Et du coup, après mon ordination, j'avais cette attente de me dire, ben, j'ai plus aucun obstacle, ni d'études, ni de discernement, ni de quoi, pour vivre du royaume. Ça y est, maintenant, l'évêque, normalement, m'a dit que c'était bon pour ça. Et du coup, j'ai voulu vivre ça, et puis j'ai demandé au Seigneur d'ouvrir ce chemin. Et j'ai commencé à vivre de manière un peu plus radicale ma vie chrétienne. Ça veut dire de proposer aux gens de prier pour eux dans la rue. C'est-à-dire, par exemple, j'étais pendant mes vacances, la semaine après mon ordination, j'achète une glace avec des frères et sœurs de communauté, et puis je dis tout simplement,
un frère pose une question, puis je dis, est-ce que vous avez mal quelque part? Alors, il dit, pourquoi? Et je dis, ben, Jésus a dit prier pour les malades, et ben, du coup, je vous demande simplement si vous avez mal quelque part, et puis, ben, je peux prier pour vous. Et puis, alors, il me regarde vraiment incroyable, c'est bizarre. Et puis, il dit, ben, non, ça va, mais par contre, je voudrais arrêter de fumer, puis j'ai des problèmes, et puis, il me propose des choses. Et ben, du coup, je dis, ben, on prie ensemble, et je prie pour lui, au-dessus de la caisse du magasin, comme ça. Et en fait, il m'a, vous savez, on se dit toujours, ouais, les gens vont dire, c'est trop bizarre, pourquoi tu fais ça, la religion, c'est privé. Et ben, pas du tout. Il me dit, passe-moi ton numéro, c'est incroyable, un prêtre comme toi qui prie pour les gens, tout ça, je vais dire ça à mes amis. Et puis, je dis, ah, mais en fait, les gens attendent ça. Et puis après, pendant le festival chrétien qu'on organise à Hautecombe, j'ai commencé à prier pour la guérison des jeunes. À dire, bon, Seigneur, j'arrête de réfléchir. Et du coup, ben, des jeunes qui avaient des problèmes, je pose la main, je dis, dans le nom de Jésus, je commande à la douleur de partir, à ma vie de partir. Et il y a eu des guérisons. Et ça faisait quelque chose d'assez fou, c'est que pendant mes vacances, je lisais un livre, et ce livre dit, pour grandir dans la vie du royaume, eh ben, il faut demander à Dieu précisément dans quel domaine du royaume on veut grandir. Et il dit, demandez des lieux précis de guérison que vous voulez voir, parce qu'en fait, il faut que vous puissiez voir ce que vous avez demandé. Enfin, parce que des fois, on dit, Seigneur, donne-moi de voir ta puissance, mais bon, c'est tellement large que si elle se passait, on ne la verrait pas. Et du coup, il y demandait précisément. Et moi, j'avais vu les listes d'inscription de tous les jeunes pour les sessions d'été, et puis j'avais vu les fiches sanitaires où les jeunes donnent toutes leurs allergies alimentaires et tout ça, machin. Et j'ai dit, ben, Seigneur, je voudrais voir des guérisons dans les troubles alimentaires. Voilà, tout ce qui est allergie, tout ça. Et j'ai demandé ça tout simplement au Seigneur. Hein. Et puis, pendant les quelques jours d'été, là, première semaine, comme il y a des jeunes qui savaient que je priais avec désir et joie pour les gens, pour la guérison, ils m'ont dit, tu voudrais pas prier pour quelqu'un de notre équipe, tout ça. Et j'ai dit, bien sûr. Et je pensais que c'était pour une cheville cassée ou un truc comme ça. Et puis, au moment où la fille me dit pourquoi il faut prier, elle dit, ben voilà, je suis allergique au gluten, je suis intolérante, et du coup, je peux pas manger ce que je veux, je dois toujours faire attention, et puis du coup, je regarde à moi-même. Et je dis, oh, Seigneur, je vais demander exactement ça. Là, je peux pas me défiler. Faut vraiment que je me saisisse de ce petit bout de royaume que tu me donnes, de ce petit talent que je t'ai demandé, que tu m'as peut-être donné. Et puis, on prie pour cette fille. Et donc, ça dure que quelques minutes où je commande dans le nom de Jésus la guérison, puis je demande que l'estomac fonctionne correctement dans le nom de Jésus, et voilà. Et puis, ben, c'est fini. On lui partage une image qu'on a reçue, une parole qu'on a reçue du Seigneur. Et puis, elle s'en va. Puis, deux jours après, à la messe, j'avais vu des guérisons dans la rue trois semaines avant, je ne peux pas te raconter, mais un SDF qui a été guéri de ses genoux, qui a commencé à courir devant nous, alors qu'il arrivait à peine à marcher. Et du coup, moi, ça m'a ouvert, je dis « Waouh, Seigneur !» Et puis là, pendant cette messe, je dis oh, « Seigneur, la dernière guérison que j'ai vue, c'est devait être il y a deux ou trois semaines, et je ne veux pas que la dernière guérison dont je peux témoigner date d'il y a trois semaines. Il faut que ce soit plus récent. S'il te plaît, manifeste-toi dans ma vie. » Et puis je sors de l'église, et là je croise cette fille qui est en train de discuter avec quelqu'un, et elle m'arrête, elle dit oh, « Faut que je dise quelque chose, je suis guérie, je peux manger. » J'ai mangé du gâteau, puis du pain, puis des pâtes, et en fait je peux de nouveau manger de tout. Et c'était incroyable, parce que cette fille, après, elle a témoigné pendant tout l'été, avec tous les jeunes qui passaient, de cette guérison. Et puis elle témoignait de quelque chose d'assez fou, c'est qu'elle disait, elle me disait vraiment, elle disait « Mais tu sais, c'est pas tellement de pouvoir manger de nouveau du gluten ou ce que je veux qui est important. » C'est ma relation à moi-même et à Dieu qui a changé. C'est que maintenant, j'ai envie de louer le Seigneur parce qu'il a fait quelque chose dans ma vie. Et ça, c'est incroyable. C'était très important pour moi d'expérimenter ça au début de mon ministère. C'est que, en fait, quand vous priez pour les miracles et vous priez pour les guérisons, en fait, c'est pas vous que les gens vont voir. C'est pas une expérience. En fait, ils vont rencontrer un Dieu de miracles, un Dieu de puissance. Et quand vous allez partir, ils vont plus vous voir dans votre vie ou peut-être pas souvent. Mais en fait, ils vont se dire, en fait, ce Dieu-là qui a fait quelque chose dans ma vie, il fait des choses dans ma vie. Il veut continuer à agir dans ma vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez fou dans mon ministère de jeune prêtre. Et puis, du coup, j'ai vu comme ça plusieurs guérisons pendant l'été. Puis, vous savez, des paroles de connaissance où Dieu dit des choses que je peux pas savoir, où je partage à une fille en disant, mais tiens, j'ai une image de toi assise dans un transat qui boit un cocktail où t'es déjà blessée. Elle me dit, non, c'est pas une image bizarre, c'est que l'année dernière, exactement, j'étais dans un transat, blessée avec un cocktail et tout ça. Et elle me dit, bah, hier, j'ai dit que je pouvais pas croire que Dieu parle parce que j'y crois pas, tout ça. Et aujourd'hui, Dieu vient me parler. Enfin, c'est vraiment. Et puis, on était partis à Aix-les-Bains, donc je peux pas te raconter. On a fait une chasse au trésor. Et la chasse au trésor, c'est quelque chose qu'on fait avec les jeunes. On prie
pendant 10 minutes et on dit à Dieu, donne-nous des indices précis de personnes que tu veux qu'on rencontre. Des indices de vêtements, des indices de lieux, des indices d'objets. Et puis Dieu donne à l'un et à l'autre, comme ça, vélo, robe bleue, plage, tout ça. Et on le note, et comme une carte au trésor, on regarde ensemble et on cherche le lieu précis et la personne précise qui correspond à ces indices. Et on a fait ça cet été à Aix-les-Bains, ça ne marche pas pendant une heure, et puis on rentre au parking. Et donc 3 minutes avant d'arriver au parking, on trouve le vélo, 2 vélos, comme on a dit, les objets comme on a dit, les personnes comme on a dit. Donc on s'arrête et on dit bonjour, on s'excuse, mais on pense que vous êtes un trésor de Dieu, tout ça. Et on partage avec les personnes, alors elles sont très surprises quand on dit vous êtes un trésor. Au début, on ne dit pas vous êtes un trésor de Dieu. On dit bonjour, et on croit que vous êtes un trésor pour nous parce qu'on fait une chasse au trésor et vous êtes un trésor. Alors les personnes, elles sont surprises et puis elles sont, c'est un jeu, donc elles sont ouvertes. Elles disent ah bon, mais pourquoi? Et là, on leur montre le bout de papier. On dit, ben regardez, moi j'avais dessiné la robe rayée, je l'avais. Ils disent, regardez, on avait vêtements rayés, vous êtes en robe rayée, on avait tel objet, regardez, c'est ici, c'est ici. Donc là, les personnes s'ouvrent. Et puis là, on pose des questions, parce qu'on reçoit des choses qu'on ne peut pas savoir. Donc on est obligé de demander. Et on dit, est-ce que par hasard, vous avez mal au genou? Ouais, c'est vrai, j'ai mal au genou, je me suis fait ça. Est-ce que si je vous dis hélicoptère, vous faites du saut en parachute? Donc, est-ce que vous êtes en parachute, en hélicoptère? Oui, voilà. Mais en fait, je crois pas en Dieu, là, là. Ah, mais on a quelqu'un qui croit pas en Dieu dans notre œil. Et donc, comme ça, en discutant, la liste se déroule et il y a des choses qu'on peut pas savoir qui sont confirmées en discutant avec la personne. Et là, c'est incroyable parce que moi, je discute avec la dame et puis il y avait un autre monsieur qui était là. Et la femme, elle s'ouvre vraiment et elle accueille le Seigneur. Elle dit, mais en fait, vous êtes en train de me dire quelque chose de trop important aujourd'hui, tout ça. Puis je lui dis, mais est-ce que vous êtes malade, vous avez besoin d'une guérison particulière? Puis elle m'explique qu'elle a une maladie immunitaire qui détruit un peu ses articulations, tout ça, et puis qu'elle a mal au bras et à l'épaule, tout ça. Donc je lui dis, ben, on peut prier si vous voulez. Alors franchement, quand vous suivez Jésus, ce qui est génial, c'est que c'est pas en votre nom, c'est dans le nom de Jésus. Vous n'avez jamais rien à perdre. Parce que quand vous priez pour quelqu'un dans le nom de Jésus, vous dites pas 1000 paroles, vous dites juste, je commande dans le nom de Jésus à la douleur de partir, tout ça. Et puis si la personne est guérie, c'est génial. Et puis s'il ne se passe rien, 2 témoignages, 99%, 99% des personnes pour qui j'ai prié, même quand il n'y avait pas eu de guérison, il s'est toujours passé quelque chose où elles étaient contentes, où elles ont reçu une parole, où elles ont dit merci. Parce qu'en fait, les gens sont touchés, qu'on prenne du temps pour elles, que Dieu se soucie d'elles, même quand elles ne croient pas en Dieu. C'est vraiment... Donc il n'y a jamais rien à perdre de prier pour quelqu'un. Donc moi, j'y suis allé en disant, je prie pour vous. Puis je prie pour elle, en disant, douleur de partir, dans le nom de Jésus, amen. Et là, elle dit, oh, il y a quelque chose qui a bougé, c'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis je dis, quoi? Et quand il se passe quelque chose comme ça, il faut insister. La guérison, c'est pas toujours en un coup, c'est comme l'aveugle, vous savez, Jésus, il prie 2 fois de suite. Parce que des fois, Dieu a besoin de rentrer dans la vie des gens. Du coup, je dis, est-ce que je peux prier une 2e fois? Elle dit oui. Et je dis, ben, Seigneur, je te demande 100% de guérison pour cette dame, tout ça. Et puis là, elle boule, elle dit, oh, incroyable, je suis guérie, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est de la magie, tout ça? Non, c'est pas de la magie, c'est Jésus. Et puis là, je peux lui annoncer l'amour de Dieu pour elle et elle est vraiment touchée. En fait, pourquoi je vous raconte ça? C'est un lien avec l'islam. C'est qu'elle est vraiment touchée, elle est guérie. Moi, bien sûr, ça fait grandir ma foi. Donc, à partir de ce moment-là, j'écoute toutes les micro-inspirations du Seigneur. Ça veut dire que pendant la messe, j'ai une image d'une personne, mais pendant une fraction de seconde, je sors de la sacristie, j'envoie un message tout à la personne en disant « Salut, comment tu vas? Je t'envoie une bénédiction, puis je reçus telle parole ou telle image pour toi. » Et bien, à chaque fois, les personnes m'ont répondu en disant « Incroyable, aujourd'hui ça allait pas bien, j'avais besoin d'une parole et ça m'est confirmé. » En fait, de me rendre compte que Dieu des fois me parle entre deux portes. Et qu'en fait, il faut pas que voilà, je reste 3 heures sur ça, simplement je prends mon téléphone ou j'appelle la personne et puis je prie pour elle. Et du coup, j'ai commencé à grandir comme ça dans cette vie avec le Seigneur, comme dans l'évangile. Et puis un jour, c'était 1 mois après mon ordination, j'ai réalisé le soir même, mais le 24 juillet, je vis une journée extraordinaire comme ça, de paroles confirmées, de guérison, de tout ça. Et cette journée est tellement incroyable que le soir, après l'adoration, je me rends compte que j'ai rêvé de mon grand frère pendant la nuit. Et je dis, mais Seigneur, cette journée était tellement pleine de toi que peut-être ce rêve, il est aussi de toi. Et j'avais partagé avec la communauté il y a quelques temps, avant la Pentecôte, j'aurais dit, vous savez, les musulmans, ils ont un arsenal d'arguments. Quand on leur parle, ils vont vous répondre avec des versets du Coran, avec « c'est pas possible de discuter théologiquement avec des musulmans ». Enfin, c'est très difficile, en tout cas, vraiment. Par contre, je crois que la vie charismatique,
ça peut vraiment être un moyen de parler avec des musulmans, parce que la vie charismatique, c'est le moyen que Dieu utilise pour parler à chacun, en fait. Peu importe la religion, la situation, l'histoire, le péché, tout ça. Et du coup, j'ai dit, ben, moi, je crois que les musulmans pourraient les rejoindre comme ça. Mais c'était une hypothèse, même si j'étais convaincu. Et puis du coup, là, je me dis, j'ai rêvé de mon grand frère, je vais lui téléphoner. Je lui téléphone, et mon grand frère, d'habitude, ne me pose jamais de questions sur ce que je vis. Vraiment jamais. Par pudeur, et parce qu'il sait très bien que je vis que des choses chrétiennes. Et puis là, il me dit, et toi, comment ça va? Alors là, je lui dis, est-ce que je fais la langue de bois, ou je lui dis tout? Puis je lui dis, bah allez, en fait, Seigneur, je t'ai donné ma vie. Et puis j'ai dit, bah tu sais, je suis prêtre. Il dit, ouais, je sais. Et j'ai dit, et en fait, tu sais, bah, comme je suis prêtre, bah, Jésus nous a dit, prier pour les malades, chasser les démons, et c'est ce que je fais. Et du coup, je lui témoigne de ses guérisons dans le magasin, ses paroles de connaissance, à Aix-les-Bains, la guérison, tout ça. Et là, mon grand frère, il est... En fait, il est ouvert. Il dit, waouh, mais c'est incroyable, et tout ça, parce que c'est quand même incroyable. Hein. Et il est très surpris, et puis je lui parle des vidéos chrétiennes que j'ai vues sur Internet qui m'ont vraiment inspiré, et je vois qu'il va voir tout de suite ces vidéos sur Internet. Je lui dis, génial, j'espère qu'il va les regarder. Et puis, j'avais commencé le coup de fil en lui disant, tu sais, je pourrais écrire un livre 24 heures avec Jésus. Tellement juste, cette journée était incroyable. Et je lui dis, mais d'ailleurs, si je t'appelle, c'est parce que j'ai rêvé de toi cette nuit et je voulais te partager simplement ce que j'ai rêvé. Et je lui partage le rêve. Je lui dis, j'ai rêvé que tu avais un enfant et que c'était une bonne chose pour toi, qu'en fait, il y avait comme quelque chose de la paternité que Dieu voulait pour toi, tout ça. Et là, il me dit, mais c'est trop bizarre. Alors, je lui dis, mince, je suis à côté de la plaque, tout ça. Et il me dit, mais c'est exactement le rêve de ma vie, mais tu peux pas savoir comme c'est mon désir. Et là, mon frère m'ouvre son cœur. Et il m'a jamais ouvert son cœur comme ça, parce qu'il est très pudique. Il n'est pas comme moi, il est vraiment plus. Et là, il m'ouvre son cœur. Et il me dit, mais combien c'était important cette parole et combien il voudrait tellement rencontrer quelqu'un et puis tout ça. Et puis là, quelque chose de l'audace du Seigneur qui continue son œuvre. Je lui dis, mais je peux prier pour toi si tu veux. Alors vous savez, maintenant, quand je propose aux gens de prier pour eux, c'est pas de leur dire, ce soir dans ma prière personnelle, j'ai prié pour toi, parce que la plupart du temps, ils savent pas ce que ça veut dire. Prier pour toi, enfin, ils s'imaginent pas ce que ça veut dire, un oratoire, un temps de prière, tout ça. Et puis la deuxième chose, c'est que moi, je sais que des fois, j'oublie ou je prie trop vite. Même quand je dis, ben voilà, on est humain. Et du coup, maintenant, quand je propose à quelqu'un de prier, si elle est devant moi, je le propose tout de suite. Mais là, j'étais au téléphone. Je lui dis, ben, mets la main sur ton cœur et je vais prier pour toi. Et il a mis la main sur son cœur et j'étais à l'abbaye d'Hautecombe devant le lac. Et puis, j'ai prié dans le nom de Jésus et j'ai dit, Seigneur Jésus, merci pour Abdelkader. Je te le confie. Merci pour ce que tu as montré dans ce rêve. Merci pour ce désir que tu connais. Eh bien, viens le visiter, viens le remplir de ton amour. Et puis, je fais une prière comme ça. Voilà. Dans le nom de Jésus, en invoquant l'Esprit Saint, en invoquant l'amour de Dieu. Et à la fin de la prière, mon frère me remercie et il me dit, eh ben, si ça se réalise, je prends ma caméra et je viens te filmer et on fait une vidéo 24 heures avec Jésus. Et là, j'ai dit, mais waouh, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'était inimaginable. Hein. Tout ce qui s'est passé là, c'était pas du tout quelque chose où je m'étais dit, tiens, je pourrais un jour appeler mon frère, prier pour lui. Ça s'est fait toujours au fur et à mesure de la discussion, des intuitions. Et puis mon frère me remercie, puis on se quitte comme ça, vraiment. Et là, je me rends compte que le Seigneur m'a montré que sa puissance. Et pour vous dire la vérité, mon grand frère, c'était le dernier de la famille à qui je pensais pouvoir parler de Jésus. C'est-à-dire que j'avais envisagé ma petite sœur qui est plus ouverte, mon petit frère qui est moins croyant, peut-être même mon papa qui est plus intéressé à la religion. Et mon frère, c'était le dernier sur la liste. Et Dieu me disait, mais Mustapha, c'est pas ta liste qui compte. C'est moi, c'est l'Esprit Saint qui conduit toutes choses. Et c'était vraiment incroyable et voilà d'avoir prié pour mon frère. Quand j'ai vu la prise de masse, mais c'était un mois, je me suis dit, Dieu m'a fait un cadeau d'anniversaire, mais pour le premier mois d'ordination, de dire, vas-y, continue. Voilà. Et ça pour dire que, du coup, ça m'a convaincu que l'islam, rejoindre les musulmans, ça peut vraiment se faire par cette vie charismatique. Et hier, j'ai vécu cette expérience, et puis la semaine dernière, maintenant, je commence à aller à la place Carnot pour demander aux gens s'ils veulent pas la prière, s'ils veulent pas... Et en fait, vous savez, c'est très étonnant parce que c'est difficile d'aborder quelqu'un, lui dire, je peux vous parler de Dieu, de tout ça. Parce que c'est tout de suite les amener sur un terrain qui est étranger, finalement, à eux. Mais les aborder en leur disant, bonjour, est-ce que vous avez mal quelque part ou une maladie pour laquelle vous voudriez être guéri, tout ça? En fait, c'est personnel. Et c'est dire, mais si vous avez besoin de quelque chose, moi, je peux vous l'apporter au nom de Dieu. Parce que Dieu m'a demandé de vous l'apporter. Je lui obéis tout simplement. Et du coup, j'ai fait ça la semaine dernière à la place Carnot. J'ai parlé à plein de gens, dont des musulmans. Et puis hier, je suis retourné à la place Carnot. J'ai vu des gens que j'avais croisés la semaine dernière.
un groupe d'adolescents albanais, vous savez, qui traînent dans la rue. Jamais dans la vie normale, je ne serais pas parti parler à ces jeunes, et je pense que jamais de la vie, ils m'auraient parlé. Mais là, la semaine dernière, il s'est passé des guérisons, et maintenant, ils me saluent, ils veulent savoir si je retiens leur prénom, tout ça. Et puis, je vois une dame qui est voilée, une musulmane. Et maintenant, dans mon cœur, il y a un truc qui dit, vas-y, mais vas-y. C'est l'amour de Dieu que tu as annoncé. T'as rien à perdre, t'es pas en train de vendre un aspirateur. C'est l'amour de Dieu que tu dois donner, donc qu'est-ce que t'as à perdre? Du coup, je vais voir cette dame, et puis je lui dis, bonjour, est-ce que vous avez mal quelque part et quelque chose pour lequel prier? Et en fait, non, elle avait pas, je crois qu'elle avait pas compris ma question, mais elle dit, non, mais voilà, j'attends quelqu'un. Puis du coup, je commence à discuter avec elle. En fait, la question était tellement bizarre au début que, parce que je lui dis, ben voilà, vous savez, je suis chrétien, puis Dieu m'invite à prier pour les gens, donc simplement, voilà, vous venez, qu'est-ce que vous faites là, tout ça. Puis elle me dit, ben je viens d'Alsace. Je dis, mais tiens, moi aussi je viens de Strasbourg, c'est étonnant. Et qu'est-ce que vous faites ici? Et puis, ah, vous venez d'où? D'Algérie? Ah, ben moi aussi. Enfin, et en fait, le lien se fait. Et puis elle avait besoin de quelque chose, un endroit pour manger halal. Parce qu'elle ne peut pas manger n'importe où, puis elle est complètement perdue. Et là, la personne sur Internet, la vidéo que j'ai regardée, c'est un évangélique qui s'appelle Todd White, qui m'a appris, duquel j'ai appris à prier pour la guérison, tout ça. En fait, il dit aussi que en fait, l'amour de Dieu, l'amour du Père est tellement fort qu'il faut aimer les gens comme on peut, tout le temps, tout le temps. Et lui, il n'hésite pas à payer le ticket de caisse pour les gens, enfin le restaurant, tout ça. Et là, quand cette femme, elle me dit, je cherche un endroit pour manger, bah déjà, je lui dis, je vais l'accompagner jusqu'à un restaurant où on mange halal. Je me dis, bon, j'ai du temps devant moi. Donc, on cherche un premier restaurant, puis non, puis un deuxième. Puis je me dis, mais en fait, je pourrais l'inviter. En fait, elle a voyagé toute la journée, elle a fait 9 heures de route, elle était fatiguée, elle ne connaissait pas la ville, elle attendait des heures quelqu'un de sa famille. Je lui ai dit, en fait, elle a besoin qu'on prenne soin d'elle. Et du coup, je l'ai invitée à manger. Je lui ai dit, ben, je t'invite. Puis en fait, on a commencé à parler de l'Algérie, de notre village, de tout ça. Et en fait, c'était vraiment très beau parce qu'elle était musulmane et moi, j'étais chrétien. Et à un moment donné, elle m'a dit, mais tu parles arabe? Je lui ai dit, ben, un tout petit peu, tout ça. Elle m'a dit, mais tu pries? Alors je dis, ouais, je prie beaucoup, mais pas comme tu crois, parce que je suis chrétien et je suis prêtre, et puis là je vais témoigner. Alors elle était un peu surprise, mais en fait elle était surprise et en même temps elle recevait mon témoignage, parce que je pouvais lui dire, bah tu sais, moi je suis chrétien, mais j'ai vraiment fait l'expérience de l'amour de Dieu. Alors je lui ai fait un beaucoup plus court mon témoignage, mais je lui ai dit qu'un jour j'avais fait cette expérience de Dieu qui m'aimait, et que voilà, en fait ça mettait en mouvement toute ma vie. Et puis, bah, on a simplement mangé, on a partagé, j'ai pu l'écouter. Et puis, c'était génial parce qu'en fait, elle a appris que la personne qui devait la rejoindre, il était 17h et quelques, elle pourrait venir qu'à 21h. Donc, 21h à côté de la gare, c'était pas super cool pour une jeune femme, tout ça. Et là, on a partagé simplement un repas. Et à la fin, elle m'a dit, mais c'est vraiment Dieu qui envoie les gens vers nous. Et en fait, elle a vraiment accueilli ça comme une rencontre de Dieu. Donc, en fait, j'avais pas besoin qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit tout ça. J'avais simplement besoin qu'elle soit aimée de Dieu et qu'elle soit... Et puis en rentrant, je me suis rendu compte qu'il y a 3 jours ou 4 jours, j'avais fait une chasse au trésor personnel, tout seul avec le Seigneur. J'avais dit, Dieu, montre-moi précisément quelqu'un que tu voudrais que je voie. Et j'avais eu l'image d'une musulmane voilée avec un voile blanc, puis je ne l'avais pas vue dans la journée, puis ça m'était sorti de l'esprit. Et puis là, j'ai dit, oh, mais en fait, c'était elle. Cette attention qu'il fallait que j'aie, c'était cette femme que j'avais reçue dans ma prière, tout simplement, et il fallait que j'ose simplement l'inviter à manger. Et je crois que c'était ce que Jésus voulait pour elle hier. C'était pas qu'on parle du Coran pendant très longtemps, parce qu'elle avait d'autres soucis dans sa vie, mais c'était qu'elle ait une consolation de Dieu, une consolation. Voilà. Et voilà, je veux simplement finir avec ça, avec cette joie que j'ai de Dieu qui est venu me chercher dans mes études de philosophie, qui est venu me sortir de mes concepts métaphysiques, tout ça, pour me dire « Mustapha, je t'aime ». Et à partir de ce lieu de l'intelligence où Dieu m'a rejoint et où continue de me faire grandir, c'est que j'aime toujours beaucoup réfléchir et faire des dissertations très compliquées et tout ça, il me dit, je veux t'envoyer, annoncer mon amour et avec la puissance de mon Esprit Saint. Et vous savez, Saint Paul, il n'arrête pas de répéter, on n'est pas venu avec la sagesse du discours, mais avec la puissance de l'Esprit. Et ma joie aujourd'hui, c'est ça, c'est de dire, waouh, même si je fais de la théologie, même si je fais de la philosophie, Dieu aujourd'hui, il m'envoie devant tout le monde avec la puissance de son amour. Et ma question chaque jour maintenant, c'est de dire, maintenant j'aime tellement Dieu que je dis papa. Je dis papa, mais qu'est-ce que tu veux pour moi aujourd'hui? Vers qui tu veux m'envoyer aujourd'hui? Quelle est cette parole? Et c'est vraiment voilà, une action de grâce. Et c'est que le début. Amen. Merci.
Merci Mustapha. On a bu ces paroles hein, avec beaucoup de joie. Merci de ce témoignage, de tout un cheminement de rencontres, de partage de la vie du Seigneur et de cet enthousiasme hein, au sens étymologique du terme pour témoigner de cet amour du Seigneur. Je pense que tous ceux qui ont été là ce soir ou qui suivront la vidéo seront touchés de ce que le Seigneur a pu donner. Je ne sais pas si on a encore une ou deux minutes pour s'il y a une ou deux questions dans l'Assemblée parmi les gens qui sont là. Je m'excuse, je suis toujours très long, j'arrive pas à... Mais je crois que personne ne s'est endormi. Est-ce qu'il y a une autre question ? Au fond. J'avais une question à un moment donné, c'est qu'est-ce qui explique qu'un père renie son fils parce qu'il se convertit ? Vous en avez parlé un peu plus loin. Est-ce que c'est ce qu'il y a en fond de tous les reniements qu'il peut y avoir, de tous les pères qu'il peut y avoir qui chassent leur fils parce qu'ils se convertissent ? Cette peur de la damnation propre parce qu'on aurait accepté la conversion d'un membre de la famille, ou est-ce qu'il y a autre chose qui est là présent ? Enfin, qu'est-ce qui peut expliquer qu'un père dise à son fils « tu n'existes plus » ? Je pense qu'il y a trois plans différents. Il y a un plan qui est religieux, un plan qui est sociologique, puis un plan qui est individuel. Mon papa, c'est un bon musulman, et il fait tout pour être un bon musulman. Et du coup, quand tout d'un coup, il y a quelque chose comme ça qui vient mettre en péril son salut, et ben forcément, ça le met en tension. Et moi, ce qui me touche avec mon papa, c'est qu'il veut être un bon musulman et il veut faire la volonté de Dieu. Donc en fait, je comprends tout à fait que d'avoir un fils qui renie la foi, ça peut lui être, je comprends pas complètement, mais ça peut lui être compté vraiment dans l'islam comme une erreur de sa part, une mauvaise éducation. Et du coup, s'il a encore l'espace de me faire changer, et ben il doit le faire. Ou en tout cas de dire, et ben il va pas être complice de cette apostasie, parce que pour l'islam, ce que j'ai l'apostasie, et c'est vraiment la chose la plus grave qu'on puisse faire dans l'islam. Donc mon papa, il peut pas être complice de ça parce qu'il met en péril son propre salut. Ça, c'est vraiment le premier point. Puis le deuxième point, c'est l'aspect sociologique, c'est le quand dira-t-on. Et ça, c'est le dernier point qu'il a nommé dans nos échanges un peu, mais que j'ai compris, c'est qu'il dit, mais que vont dire les autres ? Ils vont dire, ben voilà, t'es parti en France pour avoir une meilleure situation, pour avoir plus de choses, et puis tu n'as pas réussi à éduquer tes enfants dans la religion. Alors ça, c'est une parole qui, sur le plan du réel, n'est pas tout à fait juste, parce que même en Algérie, tout le monde n'est pas un bon musulman, tout le monde n'a pas... voilà. Mais on fait comme si. Mais là, mon papa, il a sur lui maintenant ce « quand dira-t-on ? » Et il se dit, maintenant, on va dire, il n'a pas su éduquer correctement ses enfants. Et ce qui est très dur pour lui, c'est que moi, j'étais un peu l'exemple de la famille, et du coup, il parlait tout le temps de moi en Algérie en disant « Mustapha, il travaille bien à l'école, voilà. » J'étais un peu la preuve que ça valait le coup d'aller en France. Et puis du coup, là, tout d'un coup, il perdait cette mise en valeur qui devenait tout d'un coup une condamnation pour lui. Donc cet aspect sociologique, et puis l'aspect individuel, mon papa, en fait, veut faire la volonté de Dieu, et le Dieu de l'islam lui demande de me convertir. Enfin, c'est vraiment... en fait, ça ne lui pose pas de problème que vous soyez chrétien, vous. Mais qu'un musulman se convertisse, et encore plus son fils, il doit être le premier à faire quelque chose. Et puis aussi, et ça c'est pour lui, c'est que c'est pour mon salut à moi aussi. C'est-à-dire pour bien se mettre dans sa mentalité à lui, c'est que c'est pas que son salut, c'est que lui il pense que je suis damné, et en fait parce qu'il m'aime, et ben en fait il veut me ramener dans la... Et ça c'est compréhensible. Donc c'est pour ça que moi je comprends toujours mon papa dans l'amour, c'est que pour moi il est pas en train de me renier, il est en train d'essayer de me sauver. Vraiment j'essaie de le voir comme ça. Et puis bon, je pense que c'est aussi quelque chose qui est propre à l'islam, qui est Dieu d'abord, et voilà. Puis après, c'est le point plus personnel, mais je pense que mon papa, il a le souci du salut de son propre père, qui est déjà décédé, et il a vraiment la conviction que sa vie de bon musulman peut participer aussi au salut de son papa, tout comme nous, on dit des messes aussi pour les défunts. Et du coup, je crois qu'il y a aussi cette chose de dire, mais... ben en fait, j'arrive pas à avoir le salut de mon fils, mais peut-être que du coup, toutes les prières et les ramadans que j'ai fait pour mon papa, peut-être qu'ils vont pas marcher, ils seront pas valides. Donc voilà, il y a une espèce de prise au piège. Mine de rien, vous voyez bien que dans l'islam, on veut dire que c'est Dieu qui fait tout, c'est Dieu qui est grand, et le salut dépend que de lui. Et puis on se retrouve quand même, en fin de compte, à se débattre en se disant que la damnation de mon fils ou de dépend de moi, de sa vie. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on peut comprendre.
questions. Merci pour ce superbe témoignage, passionnant. J'avais juste une question un petit peu anecdotique, mais pourquoi pas. Je ne connais pas la traduction, si elle existe, de votre prénom, Mustapha. Et ma question, c'était simplement de savoir si vous aviez imaginé de prendre un prénom chrétien lorsque vous avez été baptisé, comme l'avait fait l'Irakien Joseph Fadel quand il a été baptisé à son tour. Alors, Mustapha, ça veut dire l'élu. Et Amari, ça veut dire être aimé en latin. Donc on n'a pas trop envie de changer de prénom quand on a ça. Je pense vraiment que c'était déjà une prophétie sur ma vie d'avoir ce prénom. Et puis aussi, pour dire très franchement, moi quand je suis devenu chrétien, Jésus il est venu rejoindre le Mustapha, à la fois musulman, étudiant en philo, tout ça. Et en fait, c'est toute ma vie que Jésus est venu rejoindre. Et pour moi, j'avais pas envie de changer de prénom parce que je savais que pour ma famille, ils pouvaient le comprendre comme une manière de renier ma culture, de renier mon identité, alors que ce n'était pas du tout le cas. Et du coup, je n'ai pas senti la nécessité de le changer, et même, je vous avoue que je ne voulais pas changer de prénom. Mais mon nom de baptême, c'est Mustapha Jean, comme justement Jean-Baptiste dans le désert. Donc j'ai été baptisé Mustapha Jean, et Mustapha fait partie de mon nom de baptême. Et ça, pour moi, c'est très important, parce que je crois que les musulmans aussi ont besoin d'entendre ça, que Dieu veut rejoindre chacun où il en est dans son identité, et ce que des fois, on inverse. On ne sait pas qu'on change de prénom parce qu'on est devenu chrétien, mais on croit qu'il faut changer de culture, d'identité, tout ça, pour devenir chrétien, et ça nous paraît... voilà. Mais je crois que d'être choisi du Seigneur, c'est un nom très chrétien. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non, je crois que voilà. Après avoir entendu tout ça, on n'a pas. On a tellement bavardé. Peut-être qu'on pourrait terminer en priant. Voilà, on a prié pour nous. Est-ce que je peux ajouter une dernière chose? Oui, oui. Qui est très importante, vraiment très importante pour moi. Parce qu'en fait, ça me fait à chaque étape de ma vie. C'est que, au début, quand je témoignais, quand j'étais jeune chrétien, c'était tellement important pour moi. Mais vous savez, cet amour de Dieu dont je vis, c'est pas parce que j'étais musulman, parce que j'ai un témoignage, c'est parce que c'est Dieu qui nous aime, mais c'est pour chacun d'entre nous. Et maintenant, je sais que je me bats pour dire, mais vous savez, si je vis de cet amour de Dieu, cette puissance de Dieu, c'est pas parce que je suis prêtre ou religieux, c'est parce que Dieu aime chacun d'entre nous. Et vraiment, ce que je voudrais dire en terminant mon témoignage, c'est que cet amour de Dieu, cette puissance de Dieu, cette œuvre de l'Esprit-Saint, il est vraiment pour chacun d'entre nous. Et il n'y a pas de plus ou de moins parce qu'on est prêtre, parce qu'on a été musulman, parce qu'on a été... pas du tout. On est tous faits pour cette plénitude de l'amour du Père. Et vous savez, un papa, surtout le papa du ciel, il ne fait pas de tri entre ses enfants. Et vraiment croire que Dieu vous aime chacun avec cet amour extraordinaire et qu'il veut pour vous cette chose extraordinaire, vraiment. Voilà. Et que moi, ce que je témoigne, c'est comme un bout d'évangile selon Saint Mustapha, j'espère un jour, mais l'évangile de Jésus... Et que j'espère que votre vie à chacun pourra être cet évangile pour Jésus. Voilà. Voilà, je vais terminer en priant. Seigneur Jésus, je te remercie pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Je te rends grâce pour ta folie d'être venu me chercher dans mes études, dans mes complications, d'être venu me chercher dans cette religion musulmane, même si tu savais que ça demanderait des renoncements. Parce que tu avais des grâces à me donner. Je te rends grâce pour toutes les grâces que tu m'as données. Je te rends grâce pour cet appel au sacerdoce où tu m'invites simplement à être ton serviteur, à avoir ton œuvre d'amour, à avoir ton amour répandu dans ce monde pour les proches. Je te prie pour chacun d'entre nous ici présents, Seigneur, pour toute l'église de Bourg-en-Bresse, pour tout le diocèse de Beaulieu-Ars. Seigneur, répands sur nous ce soir ton amour, répands sur nous ce soir ton Esprit Saint. Seigneur, viens nous rejoindre chacun là où nous avons besoin d'avoir ta lumière, dans les questions intellectuelles, dans les conflits familiaux, dans les guérisons intérieures ou physiques. Viens, Seigneur, mettre cet amour, ce feu qui transforme tout. Viens nous donner ta paix. Seigneur, je te demande de nous faire grandir avec toi tous les jours, de mettre en nous ce feu qui demande à être ravivé de jour en jour pour que notre vie soit toute à toi. Je te le demande dans le nom de Jésus. Notre Père,
pieds aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Merci. Oui, avec Monseigneur, alors. Le Seigneur soit avec vous. Que le Tout-Puissant vous remplisse de son amour, vous remplisse de son Esprit Saint et vous donne la grâce de marcher joyeusement à sa suite. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, encore un très grand merci, Mustapha. Et puis donc je rappelle à chacun, chacune que la prochaine conférence c'est mercredi 15 novembre et nous accueillerons le père Michel de Gigord qui est un missionnaire des missions étrangères de Paris qui viendra nous parler de la réalité de l'islam dans les pays d'Asie. Voilà. Bonne fin de soirée à chacun, chacune.